Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle édition de Top Score. On a un tout nouveau casting qui va se prêter au jeu ce soir. Top Score, c'est quoi ? 8 personnalités qui vont être là ce soir, qui vont répondre à l'aide de leurs connaissances pour marquer un maximum de points. Maintenant, vous êtes au courant depuis la première édition. À la fin de l'émission, ils transformeront ces points en cadeaux et ces cadeaux seront pour vous dans le chat. Donc, il va falloir les encourager, il va falloir être bouillant avec eux pour leur permettre de marquer un maximum de points et peut-être ensemble d'atteindre le top score. On va commencer par découvrir le casting de ce soir avec peut-être celui sur qui il faut miser, parce qu'au-delà de travailler en équipe pour le score, il va falloir gagner aussi cette émission individuellement, il y a un trophée, et peut-être ça sera lui qui repartira avec. Mesdames et messieurs, on commence par le Fast. Il est avec nous, il est tout joyeux, mais très concentré, peut-être pas là que pour rigoler. Xary est avec nous, mesdames et messieurs. Le Fast. Ouais, bah Dwag, je suis là pour m'imposer. Au pire, je suis éliminé, j'ai eu le barbier gratuit, donc... Oui, c'est... Voilà, j'ai tout gagné, voilà. C'est des choses qu'on propose ici. Bah, merci à toi. Très en beauté, Xary, hein, on peut le remarquer. À tes côtés, Xary, dans ton équipe, bien sûr, parce que vous êtes ensemble, vous êtes une équipe jusqu'au moment où il va falloir éliminer des gens. Ah oui, à chaque manche, vous aurez l'occasion d'éliminer quelqu'un qui vous empêche, qui vous bloque, qui vous ralentit dans l'obtention du top score. Donc ce sera à vous d'y réfléchir, c'est le moment un peu douloureux, celui qu'on n'aime pas. À tes côtés, c'est Aréliane, mesdames et messieurs, qui va être là ce soir. Pareil, pour tout donner. Allez, grappiller du puntos, du score. Comment va Aréliane ? Ben ça va, je suis grave contente d'être là. J'espère que on va gagner. Déjà, on va gagner ensemble et après gagner individuellement. Ouais, c'est bien. Collectif pour l'instant ? Ouais, collectif au début et après. niveau non, serpent. Ah non, faut pas dire ça. Ouais. Niveau culture G, toi, tu te positionnes comment ? En vrai, ça va, mais okay. J'ai quitté l'école il y a longtemps. Je suis une vieille, du coup. Ouais, tu nous refais un peu le cursus ? Il y a longtemps. Ouais. T'as eu ton bac ? Oui, j'ai eu mon bac. Elle a eu son bac. C'est vrai qu'en ce moment, il y a les résultats. Ah oui, c'est de... vrai. En ce moment, il y a les résultats du bac. Donc, je fais aussi la passation. Dites-nous dans le chat, vous avez réussi à choper votre bac, vous aussi. En tout cas, Aréliane, bonne chance, bon courage. À tes côtés, t'es bien entouré. Honnêtement, ouais. T'as de la culture, t'as de la sympathie, t'as de la joie à tes côtés. Certes, avec Xary d'un côté, mais regardez de l'autre côté qui on a mis. Le Big, le Genius. Il est là, mesdames et messieurs. Très, très, très en forme. Bonsoir. J'aime beaucoup là, l'attitude. Il y a quelque chose, ouais. Non, bah de ce côté, pas de bac, hein, ni de. Ok. Ni de brevet, d'ailleurs. On s'est arrêté un peu avant, mais bon, t'as devant toi un homme qui s'est fait tout seul. Donc... Il est en forme. Avant de commencer l'émission, rapidement, je tiens à dédicacer cette émission à Raphaël et Ariel. Bien sûr. Mon Webédia, qui t'aime beaucoup. C'est vrai. Vous attendez le fauteuil Kinox, c'est moi et moi, bon, on peut pas toujours avancer. On leur fait un gros bisou. Tout, voilà, cette histoire est vraie, j'en suis convaincu. Vraiment, donc, merci, comment tu te sens, toi, dans ce genre d'émission, un peu culture Écoute, je me suis fait réflexion dans l'Uber avec cet homme très gentil qui m'a amené, qui avait peur de venir d'ailleurs. Il m'a dit moi, je connais un petit peu de choses sur beaucoup de choses. Tu vois ce que je veux dire ? C'est parfait pour l'émission. Ouais, on n'est pas dans ce que propose, par exemple, Étoile sur des nuits de la culture où c'est très profond, on va chercher des vraies connaissances. Là, c'est du tac au tac, c'est des questions, je veux une réponse instantanée. Donc c'est pas trop compliqué. Ouais, mais je suis pas big, j'ai mes trucs genre cinéma et tout, mais je suis pas big sur des trucs. Ok, le sport par exemple ? Ah, le sport un peu. Bon voilà. Tennis. Ah, peut-être qu'il y en aura. On reste concentré. À vos côtés. Waouh, ouais, non mais là c'est monsieur. C'est monsieur. Il est au milieu, c'est pas pour rien. C'est celui qui va guider l'équipe. Il a été élu capitaine carrément par tous les autres, mais c'est pas pour autant qu'il sera pas éliminable dès la première manche, hein, bien évidemment. Domingo est avec nous, mesdames et messieurs. Il nous fait le plaisir d'être là. Pas blessé. Pas blessé en plus. On l'a en os, ça se passe bien, on verra ce qui se passe ce soir, mais très content d'être là en tout cas. Pas très stressé pour ce genre d'émission, c'est toujours chiant de montrer un peu ses lacunes auprès de son public, surtout toi qui a souvent toutes les solutions entre les mains quand tu fais des quiz sur Popcorn. Présente en grand prince. Non mais c'est ça, c'est quand tu fais des quiz sur Popcorn ou autre, t'as les réponses, donc t'as le rôle facile, même si des fois tu joues. Là, comment tu te sens Ça va, en détente, hein. On est venu avec quelques amis, peut-être qu'on repartira avec des ennemis, on verra. Ah, on verra. Ah, je crois que c'est un message qu'il essaye de passer. Ah non, mais là. Nous, on a un code avec des mains pour voter les autres. Dans tous les cas, moi, ça ne me regarde plus. Tout est autorisé. C'est vrai que c'est un peu aussi un Koh-Lanta. Il faut arriver à survivre, tenir jusqu'au bout. Et parfois, c'est pas forcément les meilleurs qui vont au bout parce que les meilleurs se font cibler. Bah oui, parce qu'ils sont dangereux pour la finale. Donc, c'est à vous d'établir votre stratégie, d'essayer de se faire des copains, d'essayer de bien aussi observer ce qui se passe pendant les manches. Qui a mis assez en sécu ? Qui a fait perdre des points, ne les a pas mis en sécu ? Et à l'inverse, qui a des bonnes réponses, qui en a des mauvaises. Bah tiens, en parlant de mauvaises réponses, il y en a un qui va en avoir pas mal ici ce soir. Oh là là. Non, je rigole. Oula, il a mal pris. Oula. Bon, il est là, Jiraya, regardez. Non, mais je veux qu'on te voit parce c'est que pas ton métier, frérot, donc, ça a l'air de t'avoir saoulé. Non, Jiraya qui revient de loin en plus. Je reviens des États-Unis d'Amérique du Nord, effectivement. Putain, j'étais en Floride, c'était très très bien. T'avais du là, soleil retour à la réalité, quoi. Qu'est-ce que ça fait de toi là-bas? Des parcs d'attractions, j'ai vu. Ouais, j'ai fait Walt Disney World et j'ai fait Universal. Et c'était très très bien. Et là, je suis très content d'être là ce soir. Par rapport à nos parcs en Europe. Je suis très content d'être là ce soir, c'est avec vraiment des charmes. Il veut pas se brouiller, il y a des OP en préparation là. Non, mais bon ouais, c'était, il n'y a pas d'équivalent, je vais pas te mentir, à ce qu'on a en France, donc voilà. Merci Jiraya d'être avec nous en tout cas ce soir. Et il y a quelqu'un d'autre qui vient aussi de loin, c'est vrai, elle a fait le déplacement pour être avec nous aujourd'hui. Julia Bayonetta est avec nous, mesdames et messieurs.
Elle va avoir besoin de vous. Elle a été honnête avec moi, elle m'a dit « Ah, ce genre d'émission de culture et tout, je suis pas super à l'aise, mais t'as des amis autour de toi. » Voilà, je suis très contente d'être là, je suis vraiment là pour m'amuser, mais c'est vrai que depuis mon bac, je n'ai plus ouvert un livre d'histoire. C'est quoi, il y a un an? Mais... Non. Arrêtez, arrêtez. C'est un moment maintenant. C'est un an, quand même. Mais... Ça va dépendre des sujets. Deux, trois disciplines que t'aimes bien. Ouais. Mais moi, c'est plus les matières scientifiques, donc okay. Je sais pas s'il y a... Il y a de la chimie, il y a ce genre de choses. Voilà, bah là, ça va être plutôt mon domaine, mais okay. L'histoire géo, c'est... Au moins, t'es très bien entouré. Au cas où tu doutes, tu peux peut-être demander un conseil au voisin parce qu'on a Étoile, celui qui est respecté. Celui qui est respecté pour la culture sur Internet. Personne applaudit, wesh. Oui, non, c'est normal. Il y a trop de respect. C'est justement ça. C'est juste trop de respect, en fait. Non, Étoile, je vais te laisser la parole. J'ai rien à dire là, dans ton domaine. Non, très content d'être là. J'aime trop ce format en plus. Tu te mets pas la pression, toi. Alors, je le sais, hein, mais t'as tous les viewers qui sont là qui t'attendent, toi, au tournant spécifiquement. Parce que, du coup, tu fais beaucoup ça tout au long de la semaine. Mais est-ce que t'as mis une pression supplémentaire en disant putain, je peux pas me foirer alors qu'en vrai, t'es aussi là pour t'amuser? Et en vrai. Ou à l'inverse, ça va? Là, quasiment plus. En fait, genre là, j'essaie grave de faire un travail intérieur dans le but d'être dans une émission dans pas longtemps. Et ce qui fait que là, en vrai, j'ai aucune pression. Genre, je suis grave en mode, j'ai envie de m'amuser, essayer de voir si je réussis bien à sortir les trucs de ma tête et prendre du plaisir. Et en plus, c'est cool parce que c'est un format marrant. Tu peux t'éliminer dès le début si tu fais un peu de la merde. Donc, non, moi, je suis très content. Je t'es focus sur tes connaissances et tes questions. Quoi. Ouais, je suis focus sur c'est le fait de. Ce soir. Ouais. C'est tranquille. C'est Paris partner là. Ouais. Non, mais c'est un bonheur de jouer avec vous. Ouais, je vous le dis. Oh là là. Non, mais je vous le dis, c'est un bonheur. Et j'espère que tu nous as mis des petites. J'espère que tu nous as mis des petites questions qui nous fait plaisir. Non, parce que je t'ai pas montré Étoile, mais. Mais non. Oh là là. Non, après, t'es là pour le plaisir. Non, mais après, t'es là pour le plaisir, t'es là pour t'amuser. Oh, t'es trahir. Non, mais je vais ranger, il y avait pas besoin. Il y avait pas besoin. Le problème, c'est que quand il y a un trophée, Xari est invincible. Ah que... C'est vrai, mais j'ai plus de place dans ma. Oh là là, présentons le dernier. Le dernier est pas des moindres. J'espère que dernier présenté, pas forcément premier parti. C'était le cas sur la première édition, c'était Despilo qui nous avait quitté très tôt, mais cette fois-ci, c'est Yass, mesdames et messieurs, qui complète le groupe. Salut le chat, salut tout le monde. Comment il va le Yass? Comment il se sent? Ça va, merci beaucoup d'abord de l'invitation. Puis moi, honnêtement, je m'attends pas à étaler ma culture parce que les gens ne s'attendent à rien de moi, donc moi je me mets pas de pression. J'ai vu sur internet, ça te cherchait un peu, oh non, pas Yass et tout. Mais non, mais Ivan, les gens, mais moi, peut-être je vais les impressionner, peut-être s'il y a de la géo, en vrai je suis un peu chaud en géo, mais sinon le reste, si c'est histoire ou des trucs comme ça, là, c'est là, comme compliqué. Ça, capitale de la Turquie? Istanbul, Ankara. Allez, pas mal, bien attrapé. Mais c'est dans, tu vois, faut répondre au tac au tac, c'est stressant. Mais non, mais c'est parce que je suis allé à la finale de la Champions League, c'était à Istanbul, je l'ai eu en tête et tout. Quel endroit, man. Donc je vous l'ai dit comment ça va se passer, on va enchaîner plusieurs manches, à chaque fin de manche vous allez devoir éliminer la personne qui selon vous vous ralentit. Je vais enchaîner les questions, je vais donner votre pseudo, poser la question, vous répondez. Si vous répondez juste, regardez, la grille monte, hop, elle grimpe. À la moindre mauvaise réponse, bam, vous avez tout perdu, ça redescend à zéro. Non. Ça c'est s'il y a une mauvaise réponse. Ah ouais. Vous cassez la chaîne. Le seul moyen de sécuriser, de mettre en protection vos points, c'est de dire sécu avant que je pose la question. Donc quand je donne votre pseudo, par exemple je fais Aréliane, si tu dis sécu avant que je commence la question ou une petite seconde après, c'est bon. Ils seront mis en sécu, vous avez vu, ils descendent en sécu et là à partir de là on peut plus vous les enlever, vous les avez jusqu'à la fin de l'émission. Il y a des bonus qui vont pouvoir tomber, c'est le chat qui va voter à des moments. Je vous donne un exemple d'un bonus maintenant que vous l'avez découvert sur l'émission précédente. C'est le sécu x2. C'est-à-dire qu'il y a un d'entre vous qui pourra, quand il mettra les points en sécu, les doubler instantanément. Oh non. Voilà. Oh. Et donc pour être malin, parce que du coup tu devras faire attention à pas sécu avant lui, mais peut-être prendre le risque de répondre mal. Et en fait lui il va arriver avec son sécu x2, mais il aura 0. Mal. Mais en même temps, voilà, faut aussi essayer de jouer là-dessus pour essayer de marquer un maximum très de points. Très stratégique. Hein. Est-ce qu'à la fin de du premier round là, il y a un top scorer et un bad scorer? Exactement. Oh là là, mais t'es toi. J'ai tout ici sur la tablette, je connaîtrai en temps et en heure, okay, parce que bien évidemment, c'est le top scorer en cas d'égalité sur les votes qui devra décider du vrai éliminé, donc il a raison. Et deuxième chose, c'est le top scorer qui démarrera la manche suivante. Petite question, pardon. Tout à l'heure, par exemple, un petit Istanbul à Ankara. Ankara. Est-ce que tu peux, ou alors c'est première réponse. Vraie question pour un champion. Alors, donc, qu'est-ce que tu feras à ma place? Première réponse. Ouais, mais là, en fait, il l'avait même pas fini. En fait, là, il y a eu le truc de Istanbul Ankara. Reg Dwagby, ça accepte. Reg Dwagby. Non, parce que vous allez me tenter des doubles réponses. Non. Un chat, serpent, léopard, le mec qui ne s'arrête jamais. C'est abusant. Non, je pense qu'on sera strict. C'est stressant un peu quand même. Oh là là, c'est le but. Tout le monde va bien, vous? Ça va, tranquille. Peut-être quelqu'un a un message pour l'équipe, peut-être pour commencer à diriger le groupe. Allez, tout le monde. Ouais. Allez. C'est du quiz, donc si on se trompe sur des choses qui sont logiques, on n'a pas peur, on réenchaîne ensuite, ça arrive c'est à tout le monde. C'est vrai. Faites des chaînes. C'est un format quiz.
On y va dans 3, 2, 1. Xari, parmi les 9 couleurs de l'arc-en-ciel, laquelle est située entre le jaune et le bleu? Est-ce que c'est le vert ou l'orange? C'est l'orange. C'est une mauvaise réponse. Aureliane, c'était le vert du coup. Dans quel pays se trouve Bali? Indonésie. Bonne réponse. Oui. Mon cher Genius, de tous les mammifères terrestres, lequel est le plus grand vivant sur la planète, le plus grand de taille? Le girafe. Bonne réponse. On y va avec Domingo. Quel génie de la Renaissance italienne a peint la fresque du plafond de la chapelle Sixtine au Vatican? C'est pas De Vinci, c'est pas lui? Aïe, 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 non, mauvaise réponse, c'était Michel-Ange. Justement, Jiraya, qui a peint la Joconde? De Vinci. Ouais, bonne réponse, dommage, une question près. Oui. Ma chère Julia, quelle célèbre pièce de théâtre de William Shakespeare raconte l'histoire tragique de Roméo et Juliette? Comment elle s'appelle la pièce? Je sais pas. Eh ben c'était Roméo et Juliette, c'était dans la question. Mon cher Étoile, quel animal de la famille de la fouine doit-on l'odeur nauséabonde? Le putois. Oui, bah oui, le putois, bonne réponse. Yas, lors de la récente confrontation entre Conor McGregor et Dustin Poirier, quel combattant en est ressorti vainqueur? Poirier. Oui, bonne réponse. On retourne du côté de Xari. Quelle équipe e-sport est championne de France de titre Valorant? Attends, répète. L'équipe e-sport championne en France. Gentlemate. Gentlemate, exactement. Bonne réponse. Quelle monnaie est utilisée en Allemagne, Aureliane? L'euro. Bien sûr. Genius, quel est le premier homme à avoir marché sur la Lune? Armstrong. Bonne réponse. CQ, c'est bien. Domingo, quel programme télévisé a révélé la chanteuse Nolwenn Leroy et Elodie Frégé? Star Academy. Oui. Jiraya, quel est le nom de la princesse qui est devenue reine d'Angleterre en 1952? C'est laquelle? Elisabeth. La 2, c'était Elisabeth 2. Julia, tu participes à un grand prix. Lorsque tu dépasses le deuxième, quelle position tu es? Le premier? Non, tu es du coup deuxième, tu prends sa place. Étoile, dans le domaine bancaire, que signifie RIB? Qu'est-ce que ça veut dire? Relevé d'identité bancaire. Oui, mon cher Yas, quel événement récent du monde de la mode a eu lieu à Paris? La Fashion Week. Mais toi, tu connais ça. Xari, quel est le nom de l'auto-chess développé par Riot Games et implémenté directement au sein du client League of Legends TFT? Bonne réponse. On y va sur Aureliane, qui vient de Sécu. Quel pays est le berceau de l'ancienne civilisation des Incas et abrite la célèbre cité du Machu Picchu? On cherche un lieu. La Chine. Non, c'était le Pérou. Genius, beaucoup d'écrivains ont créé l'univers fantastique, mais quel est l'écrivain qui a créé le Seigneur des Anneaux? Excuse-moi, c'était pas clair. Qui a créé le Seigneur des Anneaux? C'est l'écrivain Tolkien. Ouais. C'est pas grave, on en parlera après. Domingo, dans le domaine de la musique classique, quel compositeur autrichien est connu pour ses symphonies? Mozart. La 9e symphonie. Beethoven. C'était Beethoven, bon, c'était l'un ou l'autre, de toute façon, tu n'avais pas la fin. Oh, le Tolstoy, il met première manche. Tolstoy, il était pas mal. Je vous laisse débrief, ça doit discuter. Non, mais moi j'ai craqué aussi sur Michel-Ange, hein, ça a été. Moi je ça coûtait rien donc c'est pas grave. Après je mets un CQ à 3000. C'est vrai, c'est vrai. CQ ici là. 2100 points exactement. On peut pas tout confirmer. Donc on doit voter parce qu'on a pas. C'est le moment effectivement. Donc la personne qu'on va voter elle va être éliminée. Exactement, ça c'est le moment difficile. Qui vous bloque? Qui vous empêche d'aller chercher ce top score? Qui casse vos séries de bonnes réponses? Qui n'a rien à faire ici concrètement? Ah, c'est le moment dur parce que c'est vrai que c'est des amis. Même, mais coup, non, je vais pas le mettre la même. Habituellement, c'est des inconnus qui se votent les uns les autres. Il y a pas forcément d'affinité. Là, il y a de l'affinité. Il pourrait y avoir des rancœurs. On va commencer par Xari. Merde. Mon cher Xari, qui est-ce que tu souhaites éliminer? C'est le moment d'afficher. Alors, on n'écrit plus, hein, s'il vous plaît. Pas de changement de dernière minute. Xari. J'ai mis Julia, malheureusement, juste au niveau des stats, j'ai compté mathématiques. Elle a fait de mauvaises réponses, malheureusement. Bon, je suis avec Aureliane. Aureliane, quel a été ton choix? Jiraya, je suis désolée. Pas que je vote. Fallait que je trouve une excuse, fallait que je trouve quelque chose. Désolée. J'ai trouvé pour toi. Genius. Vraiment, c'est au hasard. Ouais. Beaucoup, en plus, je suis surtout. C'est Yas. Oh là là. Attends. Au hasard. Oh là là. Tu vas voir mon pote. Tu vas voir ce que je t'ai concocté, mon gars. Sur Twitter, je t'aime beaucoup. Non mais c'est vrai. Mais en vrai, non, pas du tout. Non mais j'ai fait au hasard. Je te dis, je fais au hasard. Et comment tu notes au hasard? J'aimerais bien savoir. Genre, tu te laisses guider par un. Fais ça sur à toi qui marche. Il est tombé dessus. C'est vrai. Je suis désolé. Je t'ai cook, mon gars. Je te jure, c'est vrai. Une voix contre Julia, une voix contre Jiraya, une voix contre Yas. Tout est encore possible dans cette première manche. Domingo. Je suis désolé, je l'ai fait au hasard. J'ai mis Norman. Génial. Vraiment, je sais pas, j'ai pas fait exprès. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et au hasard, les lettres se sont enchaînées. N-O-R-M-A-N. Voilà, j'ai rien pu faire, désolé. Je pense que je fais briller ton émission. À me déguiser. Désolé. On va enchaîner nous par Jiraya. Jiraya, pour l'instant, il n'y a que des choix individuels. Comme Xari, à contre-cœur, mais par pur mathématisme. Julia. Il y a eu deux mauvaises réponses. J'ai été un tout petit peu meilleur, j'ai sauvé une réponse, mais après, bon, bah, j'étais à chier aussi. On va pas se mentir. Julia, tu as déjà deux voix contre toi. Oui. Toi, tu as décidé d'éliminer qui? Moi. Oh non, mais non. Oh non, oh,
Oh non, ça c'est non, c'est moche. C'est honteux, non, elle doit changer son vote, elle doit changer son vote. C'est moche. Oh non, ça on peut pas laisser passer ça. Non, non, c'est mort. T'es déjà une sœur, je peux pas faire ça. Non, bah non, bah non. On peut pas voter contre toi. Ça c'est dommage. Non, non, non. Julia, est-ce que tu veux changer ou est-ce que tu assumes et affirmes ton vote? Non, c'est bon. Je garde mon vote. Oh, oh, non. Ça va. Elle a mangé quand t'es pour du beurre. Ouais. Allez. On refait. Allez, pas d'éliminer. Non, mais je veux quand même voir. Et après, c'était normal de voir. Et moi aussi, je vais quoi. Est-ce que tu as envie de refaire? En vrai, non, parce que je me mets une pression monstre sur ce que faut pas, c'est pour ça, faut faire descendre. T'as vu que Zary l'a présenté fumée? Je suis venue vraiment pour m'amuser en mode chill, mais j'ai eu trop de pression que j'arrive même pas à écouter les questions. Mais t'inquiète, j'ai trop de pression, j'arriverai pas. On est là pour t'aider. C'est moi, j'ai pas le bac ni de brevet, c'est moi. C'est moi l'illettrice. C'est moi la personne à virer. Non, mais après, je commence, c'est un truc quand. C'est comme ça, quand tu regardes justement, tu dis, ah putain, j'ai la réponse, etc. Nous ici, il y a un stress titanesque, d'accord? En plus, Julia, elle connaît un peu moins de gens et tout, donc. C'est pas pour la défendre, mais t'as eu les deux questions un peu trolls. Questions logiques, les questions troll où en gros le truc est caché dans la réponse et les trucs un peu pas évident avec le stress. Non, je vous propose effectivement ce qu'a dit Domingo est parfait, c'est qu'on annule cette manche. Enfin, oui, gardez les points. Je vous offre les points. Vous gardez les points. Okay. Vous perdez quand même 10 secondes. Okay. Par contre, là, toutes les manches vont être éliminatoires. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Ariane, quel fruit est utilisé pour faire du guacamole? L'avocat. Bonne réponse. Genius, quel est le nom de la maison où le prison américain vit et la travaille? La Maison Blanche. Bah oui, bonne réponse. Mon cher Domingo, quelle est l'équipe actuelle tenant du titre des World de League of Legends? Aïe, ça me suit. EDG. Ah, DRX, dommage. Mon cher Jiraya, pour quel pays de la Coupe du Monde 2022 le maillot résultant de la collaboration entre le manga Blue Lock et Adidas a-t-il été conçu? Japon. Oui, bonne réponse, c'était long. Julia, que veulent dire les lettres ASMR? Là ou pas? ASMR? Ouais. C'est très dur. Fait en plus. C'est très très dur. Ça veut dire oh non. Autonomous, Sensory, Meridian. Mon cher Étoile, qui est le créateur de Pac-Man? C'est Bandai Namco, mais du coup il faut le. Chercher le. Ouais, il faut le. Le boss, le big boss. Je sais pas. Le créateur c'était Toru Iwatani. Désolé si je l'ai mal prononcé. Yas, quel joueur est le meilleur buteur de tous les temps dans le club de Arsenal? Thierry Henry? Oui, bonne réponse, tiens. Xari, on revient à toi. Selon l'expression avant de parler, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Bonne réponse. On y va avec Aréliane. Le logo d'Apple est-il une orange ou une pomme? Une pomme. Oui, wow, on va dire. Dur. On y va avec Genius. Quel est le seul département français dont le nom commence par la lettre F? Il n'y en a qu'un. Département français? Ouais, il y en a qu'un. Si. On perd haute perte de temps. Là, je passe, ça c'est cul. C'était Finistère. Non, je peux plus. C'est le Finistère. Domingo, ouais. Quelle invention permet de regarder à travers un mur? Une glace. C'est un peu un piège. C'est pas mal, c'était la fenêtre. Ça marche, t'abuses là, toi, t'abuses. Allez, on lui valide. Jiraya. C'est cul. Oui. Sans point. Quels sont les trois pays qui accueilleront la Coupe du Monde de football en 2026? En 2022, ouais, ils sont trois à se la partager. Un foot passe. États-Unis, Canada, Mexique. On y va sur Julia. Quelle est la monnaie utilisée au Japon? Le yen. Bonne réponse. C'est que étoile. Yes. Mais où et donc or ni car sont des conjonctions de coordination. Bonne réponse. Et Yas, allez, tu finis en beauté. Comment s'appellent les deux petits points placés sur le i du mot astéroïde? Itrema. Oui. C'est que oui. Incroyable. Ça, c'est l'équipe, ma gueule. J'aime ce que je vois. Vous avez pris 400 points. Ouais, donc, 400, vous devez être à 2500 points au global actuellement. Oh, c'est OK, c'était une manche bonus. Pas de soucis. C'est l'heure de voter, d'éliminer celui qui vous empêche d'avancer correctement dans cette émission. Et on va commencer directement par Domingo. Tu as bien sûr eu le temps de voter. Voter. Je retourne. Et Domingo, c'est quand tu veux. Ça allait vite, je suis désolé parce que. Je suis pas breton, mais je les aime beaucoup. Norman. Ah, ouais, bah retourne ta pancarte. Je suis anglais. Désolé. Norman, pas de soucis. Faut sauver comme on peut. J'ai voté Norman, même si je l'apprécie énormément. Depuis qu'on travaille plus ensemble chez le stream, je le déteste. Non, c'est juste qu'en vrai, t'as fait perdre beaucoup d'argent et t'as une mauvaise réponse. C'est les maths qui parlent encore une fois. Et... mauvaise réponse, ouais. Oui, t'es... et la sécu arrivait trop tard. J'ai trouvé bon quand même. Très bien. Julia. Bah, j'ai voté Genius. Ah. Parce que t'es cool. Oh. Du coup, ça n'a aucun sens, mais. Venant de toi, tu sais quoi, je te prends. Ça fait plaisir. Étoile,
Est-ce que vous avez enfin réussi à vous mettre d'accord sur une chose? Je suis désolé, c'est en termes statistiques, mathématiques. Okay. J'avoue que moi aussi, j'ai pas été tout blanc dans ce match. Honnête. Mais Norman, malheureusement, a fait perdre beaucoup avec le Finistère qui, en plus, a été soufflé par Yas. Ah oui. Donc, je trouve ça dommage. C'est vrai que le Finistère, ça a bloqué. Parce que aussi, le temps perdu, hein. Faites attention au temps que vous perdez parce que ça fait en sorte que les gens se rendent compte que vous ralentissez. Parfois, il vaut mieux dire très vite une mauvaise réponse que d'hésiter et rien dire derrière. Yas. Ah ouais, Norman, je suis désolé, mon frérot. Hein. Au moins, ça crée un esprit d'équipe. Pour le Finistère et parce que t'as voté pour moi avant. Mais c'était au hasard. Mais je suis moi aussi c'est le hasard. Je suis désolé, frérot. Mais je t'aime bien. Moi aussi, je t'adore, frérot. Mon cher Xari. En vrai, j'ai dû jouer les maths, mais malheureusement, mon Norman est un grand ami, du coup, j'ai mis Yas parce que. Non, mais alors, j'explique, parce qu'en fait, il y a un mec qui m'a donné 800 balles pour que je vote une fois pour lui. Okay. Et je sais qu'il allait jamais sortir à ce round, il a été exceptionnel, il a fait que des bonnes réponses, donc voilà. Pour moi, c'est. 800 balles cadeau. Pour moi, c'était le meilleur, mais Norman, je ne pouvais voter contre lui, c'était trop un ami. Honnête, donc non, vous n'aurez pas fait l'unanimité sur vos votes. Aréliane, est-ce que tu rejoins le groupe? Bah, moi, du coup, je voulais pas enfoncer Norman qui est déjà plus bactère, du coup, j'ai voté contre lui. Que je sais que personne n'avait voté contre. Perdu. Je me suis dit c'est. Attention à pas se créer des ennemis pour plus tard. Oh non, t'es pas une ennemie. Mon cher Norman, je pense que tu connais l'issue de ce qui se passe, mais peux-tu nous montrer ton vote? Bah j'avais switché de. J'ai mis étoile. Non mais j'ai décalé. Ok, pas de soucis. Bah mon cher Norman, tu vas avoir le mauvais rôle. Mais le groupe a estimé que tu étais en trop ici avec nous. C'est l'heure pour toi de nous quitter, mais je t'invite à passer au confessionnal et t'exprimer devant le public, sachant qu'uniquement le public t'écoutera et t'entendra. Personne ici sur le plateau, tu peux enfin dire ce que tu as sur le cœur. Mes amis, j'ai le cœur lourd aujourd'hui. Certains d'entre vous ne me connaissent pas, je viens à la base de la télévision, une chaîne Game One. On m'a toujours dit que la famille Twitch avait un cœur plus grand, plus ouvert, plus généreux, plus avenant, plus accueillant. Et ce soir, j'apprends que ce n'est pas le cas. Non, en fait, je m'en fous, je me suis régalé. Deux choses, soutenez la sœur Julia, parce que c'est une sœur. Puis n'hésitez pas, évidemment, la chaîne Twitch Norman Genius. Histoire que je ne sois pas venu pour rien. On y retourne, je vous enlève 10 secondes à nouveau au niveau du compteur. Il ne vous reste plus que 2 minutes et 10 secondes. Pareil, pour essayer de marquer un maximum de points. Et je me dis, vous avez éliminé le point faible. Donc normalement, c'est censé aller mieux. Si je regarde par rapport à la manche précédente, on a Yas qui a été élu top scorer. Il a été très fort. Waouh. Yas qui est venu un peu faire taire les gens. Et ben nous, on va pouvoir retourner pour une nouvelle manche de top score. C'est parti. Yas, prêt pour démarrer? Oui. 3, 2, 1. Quelle était la première émission de télé-réalité en France? Love Story. Ouais, bonne réponse. Allez, Xari, à toi. Dans le monde de la bande dessinée, quel super-héros est aussi connu sous le nom du Chevalier Noir? Zorro? Non, c'est Batman. Bah, je vois que ça juge. Aréliane, quelle est la devise de la France? Fraternité. Égalité. Liberté. C'est pas validé. Échec. Domingo. Ouais. Quel est le nom de l'île où se trouve le monument de la statue de la liberté? Staten Island. Liberté. C'est une mauvaise réponse. Jiraya, qui est le dieu grec de la guerre? Arès. Oui, bonne réponse. Ma chère Julia, selon l'expression quelqu'un de tout petit et haut comme. Et haut comme? Quelqu'un de tout petit et haut comme? Trois pommes? Oui! Bonne réponse! Faut se faire confiance. Étoile, quelle est l'actrice principale de la série Netflix mercredi? Je passe. Oh! Mon cher Yas, dans le film Matrix, quel est le nom du personnage joué par Keanu Reeves? Neo? Oui! Xari, lors de la dernière édition de Zen, merci. Maxime et Grimm ont-ils fait leur apparition? Qui était l'invité de Maxime Grimm lors de la dernière édition? Oui, bonne réponse. Squeezie. Aréliane. CQ. À Hollywood, par quel symbole les célébrités sont-elles représentées sur le sol du Walk of Fame? Une étoile, bonne réponse. Domingo, à Paris, dans quel palais le conseil de ministres se réunit-il en général? C'est où qui se réunissent les ministres? Matignon. Non, c'était l'Elysée. On y retourne sur Jiraya. Dans la série d'animation Dora l'exploratrice, quel est le prénom de son ami le singe? Bah oui, il est tout le temps avec. Je sais plus, je passe. Ah, Babouche, je voyais étoile en train de le dire. Ma chère Julia, combien y a-t-il de millimètres dans 5 cm? Combien y a-t-il de millimètres dans 5 cm? 50? Oui, bonne réponse, 50 mm. Oui, étoile. Quel est le comble pour un électricien? Bah de pas avoir de courant chez lui. Mais c'était de ne pas être au courant, mais je te la valide. Mon cher Yas, au menu d'une brasserie, comment appelle-t-on un steak haché surmonté d'un œuf au plat? Un steak à cheval. Bonne réponse. Oh, oui. Xari, quelle équipe de NBA a pu choisir son premier joueur lors de la draft 2023? Les San Antonio Spurs. Bonne réponse. Aréliane complète la célèbre phrase de John. Elle est assez cul avant. Oui. Non, j'aime mieux, ça marche vraiment mieux. Bon, je commence à voir les statistiques s'afficher ici, mais avant ça, il y a tout le système de vote, bien sûr, mais d'abord, je veux voir combien de points vous avez réussi à mettre 2100. En sécu. 1600 sur la manche, et au global, ça vous fait 4100 points. C'est pas mal. Autant vous dire,
si vous voulez savoir un peu l'info. C'est le manque gratos ? Non, pas d'éliminer. Pas d'éliminer. Dimanche sur deux, c'est gratuit. Non, c'est pas, c'est que pour la première manche, on déclenchera le premier joker. C'est le moment de faire les bons choix. Vous avez été très bon sur la première élimination, vous avez éliminé le Hunter. Est-ce que vous réitérez l'opération ? On va le savoir. Et on va commencer par celui qui brille depuis ce début d'émission. C'est Yass, parce que Yass est encore top score. Moi, j'ai voté PA. Oh là là. Je suis désolé, PA, mais bon, là, c'est juste logique. T'as pas été au top de ta forme, donc va rejoindre Genius, mon pote. Hein. Waouh. Ah ouais, le culot est trop fort. Non, mais wow. Je suis désolé, mais là, il est pas au top de ça. Très bien, une voix contre PA, on va enchaîner par Xari, peut-être l'allié principal de Domingo, espérons que... C'est vrai, mais il a mal parlé de Manu. Et du coup, je suis obligé de le tèche, ce chien. C'est tellement inattendu. En fait, je voulais jouer les maths, mais je crois qu'entre Gigi et Domingo, honnêtement, ça se tient. Et... Entre... Bon, et j'essaye de le sauver. J'essaye de le sauver un petit peu. Bon, non, mais c'est vrai qu'il a, il a pas été très bon. Mais je sais pas, j'ai dû sévir malheureusement. J'ai joué les maths. Aréliane. J'ai hésité, mais j'ai voté étoile. Désolée. Voilà, je les maths aussi. J'ai hésité entre. J'ai changé 4 fois de vote. C'est pas évident. Mais voilà. Il y a aucun problème. C'est pas évident. Puis effectivement, étoile, on a toujours plus de ta part. Donc forcément, quand tu as une mauvaise réponse, ça marque. Plus que les autres, c'est plutôt un compliment. Domingo, comment tu te défends ? Moi, j'ai voté parce que je sais que le stress peut être dévastateur. On l'a vu. Et je me suis dit que, Julia, si tu passes pas une bonne soirée, tu peux perdre aussi ce moment. Vraiment, on va pas si jamais, on laisse toujours des portes de sortie, donc... Quel frère ? Ça sera toi pour moi. Julia, une voix. Domingo, deux voix. Étoile, une voix. Tout est encore possible mathématiquement. Jiraya. Il me fait très peur, mais les questions qu'il a me le font encore plus. C'est Yass. Oh, c'est gratuit. C'est vraiment gratuit. Il a mal parlé. Il a mal parlé de mon meilleur ami à côté de moi. Je le fonds. Totalement gratuit. Vous le défendez. C'est des vrais amis. Non, en vrai, bah là, les stats, mais c'était sur PA, mais je me suis dit bon, je peux pas voter deux fois contre un super pote, donc Yass par pure haine et jalousie. T'es honnête. Très bien. Très Julia, bien. Que fais-tu ? Je m'en souviendrai. Malheureusement, j'ai voté Yass. Attention, tout peut basculer. Pourquoi j'ai pas mis Yass ? Attendez, je suis à deux doigts d'être vieille, je suis le top score, les mecs. Moi, je pensais que tout le monde allait voter pour PA. On écoute Julia, s'il vous plaît, elle a une raison. C'est pour un tweet que t'avais fait sur moi. Ah, let's go. Putain. Ça m'apprendra. Eh bah ouais. Non, harcèlement. Dans ta gueule. Bah, mon cher, et toi, je crois qu'il nous a spoil, mais je crois que toi aussi, tu as. Il est en train de jouer. C'est Yass. C'est Yass Domingo. Non, en fait, j'avais voté par PA par pure stat. J'avoue mais que ça me fait mal au cœur, mais j'étais juste en mode, vas-y. Vu non, c'est beau, vu hein, qu'il de voir 0%, comme ça. J'ai tenté, mais c'est PA, beau. T'étais là, tu le sais. Mais du coup, toi, tu préfères pas que toi, mais tu préfères voter pour celui qui a inté sur cette manche-là, même s'il peut être meilleur sur les manches d'après. En fait, c'est très très violent. En fait, genre, j'ai juste voulu me dire, je change de stratégie de vote en fonction des manches. Et là, celle-là, en vrai, si je pouvais voter pour moi, j'ai in, tu vois. Donc j'étais un peu en mode, vas-y, on va essayer par rapport aux questions qu'il a eues. Et vu que c'était des questions qui m'allaient bien, je me suis dit, bon, vas-y, on va essayer de voter pour lui, tu vois. Pour être honnête, je pensais pas voir Domingo sortir si vite avec ce casting-là, mais ça vous prouve que c'est concret. Pour information, Yass était encore une fois l'homme fort de la manche, je vous l'avais dit, avec trois bonnes réponses. Et Domingo est effectivement le hunter de cette manche-là, mais je trouve que tu le payes assez cher. Peut-être un dernier mot avant d'aller t'exprimer face aux confesses. Pas de rancœur, je vous souhaite le meilleur. Oh, c'est beau. Je vous souhaite d'aller le chercher, c'est top score. On reste amis, je vais aller parler au confessionnal quand même. Il a des choses à vous dire. Déçu. Forcément déçu, le 0 sur 2 qui fait mal, quelques clips qu'on fournit, mais en tout cas maintenant j'ai plus qu'un seul souhait, c'est mon plus cher, c'est que ce chien de Xari sorte. Voilà, je l'attends, je l'espère, lui donnez pas de bonus, je vous en conjure. À la prochaine. On va check rapidement votre cagnotte actuellement, parce qu'on dit qu'elle a été corrigée, mise à jour. C'est 3800 points que vous avez réussi à accumuler. Est-ce qu'on peut juste le savoir avec 3800 points, genre qu'est-ce qu'on peut avoir dans une match ? C'est la surprise. Alors, en fait, sachez, alors je peux vous montrer rapidement la vitrine. Oui, dans oui. Tout cas, vous pourrez rien voir. Parce qu'en fait, les prix en points sont marqués sur les objets. Doc. Donc vous devrez faire les comptes une fois là-bas. Oui, est-ce qu'on peut savoir si on peut avoir la manette pour l'instant ? On peut l'avoir la manette. Ouais, oui, en vrai, oui. Allez, oui, tu sais quoi ? Je vais vous montrer la vitrine. Je vais y aller moi à la vitrine. Non, pas vous, c'est interdit. Ah non ! Parce qu'il y a la manette. Je crois que c'est celle-là, étoile. Mais moi, je suis pas sûr. Du coup, je me suis dit comme elle est à droite, normalement, je l'ai vue avant d'arriver. C'était la colorée, c'est la multicolore que t'aimais bien, étoile ? Ouais. Ouais, 1200 points. Donc vous avez large assez. Est-ce qu'on peut me dire quel joker a été choisi ? Comme ça, on va pouvoir lancer les votes dès maintenant aussi. Qu'est-ce qui a été choisi ? C'était le joker ? Le joker, vous voulez immuniser quelqu'un ? Merci les modérateurs pour l'info. Eh bien, écoutez, c'est une immunité que vous allez pouvoir offrir à quelqu'un ici autour de la table. Qui va avoir l'immunité ? Qui n'aura rien à craindre ? À l'issue de cette prochaine manche, vous étiez 8 au départ, vous n'êtes déjà plus que 6. C'est abusé ce soir, tout lui réussit. Vous avez décidé.
de donner le Joker à Yas. Il mérite, bravo. Normal, en fait, il fait un gros début de match. Bah, merci le chat. Sale bâtard. Yas est immunisé. Je préfère Zach Nani en présentateur. Moi, je t'aime. Zach Nani est immunisé, mesdames et messieurs. Yas Nani. Personne ne peut voter contre lui. Et on va commencer justement par l'homme fort, hein. On ne parle que de lui. Yas, encore. Avec 2 minutes de chrono cette fois-ci. Yas, tu es prêt? Oui. On y va dans 3, 2, 1. Yas, en solfège, comment appelle-t-on un silence qui dure un temps? Un do? Non, c'est un soupir. Mon cher Xari, lors de quelle édition des Jeux Olympiques le nageur Florent Manodou a-t-il obtenu la médaille d'or? Est-ce que c'était en 2012 ou en 2008? Pardon 2012. 2012, bonne réponse, c'était à Londres. Ma chère Aréliane, quel célèbre physicien a développé la théorie de la relativité restreinte qui est connue pour son équation E égale MC2? Einstein, oui. Einstein, c'est autre chose. Jiraya, c'est validé. Jiraya, quelle est la plus grande île du monde en termes de superficie? Est-ce que c'est le Groenland ou l'Australie? La plus grande en superficie. L'Australie? Mais oui, bien sûr, Australie, bonne réponse. On enchaîne avec Julia. Julia, avec quel club le célèbre Michael Jordan a-t-il été 6 fois champion de NBA? En plus, j'ai le... Michael Jordan. Je stresse, j'irai pas. Tu l'as pas? Non. On passe? Passe. Chicago Bulls, ouais. Mon cher étoile, un TGV électrique voyage de Madrid à Barcelone. Vers où va la fumée du train? Il va vers le sud. Oh ouais. Pas de fumée. Ah non, c'est un TGV, il n'y a pas de fumée. Ah oui, non, excuse-moi. C'est un TGV électrique, il n'y a pas de fumée. Bonne réponse, je te l'accepte. Avec Yas. Quel influenceur français a obtenu son premier rôle principal dans un film appelé À la belle étoile? Riyad. Oui, Riyad. On y va avec Xari. Quelle était l'écurie de Dejna lors de la première édition du GP Explorer? L'écurie de Dejna. Un truc de rencontre? Ouais. Je suis sympa. Froots, bonne réponse. Aréliane, quel célèbre philosophe a écrit l'ouvrage Le contrat social qui a influencé les idées politiques et sociales de nombreux mouvements révolutionnaires? Je vois l'étoile tilt. Jean-Jacques. Ford, c'est Rousseau. Mon cher Jiraya, qui a été le fondateur de Free? Xavier Niel. Bonne réponse. Julia, quel élément chimique représenté par le symbole H? Hydrogène. Oui, bonne réponse. Étoile, quel est le nom du célèbre volcan qui a détruit la ville de Pompéi en 79? L'Etna. Mais non! Oh non, le Vésuve! Mais oh là là, pas toi! Mauvaise réponse! Oh, sur la fin en plus! Non, par contre, je tiens à dire un truc. C'est Julia, elle avait dit sécu, ça n'a pas été compté. Ok, j'ai stressé. On va lui en mettre. On va rajouter les points que Julia avait mis en sécu, fort heureusement. 600 points sur la manche qui vous fait 4400. Vous étiez à 3008 juste avant. 4400 points déjà cumulés. 4400, c'est presque ce qu'avait fait le premier groupe au total. Et vous n'avez pas encore claqué les bonus x2, les bonus x3. Honnêtement, vous n'êtes pas trop mal lancé, sachant que je vous rappelle, plus il y a d'éliminés, plus le groupe, il reste les membres forts, plus vous allez marquer des points. Donc le meilleur est à venir. Il y a eu des choses bonnes et des choses beaucoup moins bonnes durant cette manche. C'est l'heure pour vous de remettre tout au clair dans vos esprits et de voter pour éliminer, selon vous, la personne qui vous empêche d'aller chercher le top score. Ça n'est encore jamais arrivé qu'une équipe parvienne à toucher les 10 000 points. On va commencer par Julia Bayonetta. Alors moi, je suis vraiment rancunière, À l'époque, tu m'avais battu sur Duel Links. Mais elle est venue régler des comptes. Sur ces événements de vie. Rien à voir avec l'émission. Voilà, après, elle va dire Jiraya, il va te dormir. C'est vrai, après. Sinon, j'avais pas d'inspi. Ça me va, c'est pas grave. Je suis dégoûté. Si je sors sur ça, je hurle. Allez. Xari, une voix, mon cher étoile. Bah, moi, j'ai voté Julia, même si en vrai, je troll sur Pompéi, tu vois. Ah bah. Mais en fait, j'ai voté Julia parce que Chicago Bulls qui empêche 1000 points. Ah, c'est vrai que c'était la série. Ah ouais, c'était la série. Mais tu l'avais en plus, les Bulls. J'ai bégayé. Après, moi, c'est ma faute sur cette manche, beaucoup de frustration parce qu'il y avait des questions où j'étais trop heureux et pas concentré sur la mienne. J'ai vu Rousseau, là, t'étais excité. Très bien, Yas. Moi, j'ai voté Julia. Alors, moi, j'ai voté Julia parce que. Le tweet. Parce que j'ai copié Étoile encore une fois. Mais arrête. Non, mais c'est grave, on va changer de place. Hein. Je ne veux pas voter contre les gens. Faut arrêter de copier. Étoile, peux-tu cacher la prochaine fois? Ça me fait interdit de copier. Ça me fait vraiment de la peine. Tu truques le jeu. Mais je truque. Tu te mets en sécu. Non, et aussi, elle a voté contre moi avant. Ah. Du coup, là, c'est une vraie raison. Voilà. Assume un peu, assume. Devant près de 40 000 personnes, Xari, qu'est-ce qu'on fait?
Oh. Étoile. Ouais, logique. J'ai voté étoile, malheureusement. Il a eu deux mauvaises réponses. Enfin, une réponse qui a été acceptée par le Saint-Esprit. Et c'est vrai. Et puis c'est un adversaire quand même. Donc bon, je me dis, là, il est peut-être blessé. Je le fume, quoi. Tu vois, en pur strat. Pour toi, on a assez de points pour l'instant. Je pense pas besoin d'étoile pour marquer. On a une équipe qui peut aller au bout. Yass fait tous les points. Donc, oui, c'est ça. Du moment qu'on a Yass, on peut aller au bout. Aréliane, quel est ton vote? Déjà, c'est beaucoup plus stressant de mettre les noms que de répondre aux questions. Oui. C'est horrible, mais je suis désolée, Juju. Aïe. C'est la question aussi à 1000 points. Et bah voilà. C'est le jeu, hein. Désolée, c'est le jeu. Ceux qui cassent les séries, on s'en souvient bien plus que les autres. Jiraya, dernier à voter. Bah moi, j'hésitais entre deux, évidemment, sur les stats, mais le train électrique, ça m'a achevé vraiment. C'était un peu une question piège, hein, non? Pas, parce qu'Étoile, dans ma tête, c'est le génie du streaming français. Ah, et il du le coup, paye encore. Et du coup, calculer où va la fumée d'un train électrique, ça me pète les couilles. Mais c'est un bâtard. Juste pour ça. Mais en vrai, j'hésitais avec Julia parce que, en vrai, les Bulls, bon, classique, et surtout, il y avait 1000 points. C'est ça, c'est la série. Mais par contre, Dwagby, t'as été très fort. Parce que t'as fait comme ça avec les doigts. Et oui, pour que je calcule, t'es fort. J'essaye de bait, parce qu'en fait, c'est les questions troll, il n'y en a pas beaucoup. Mais on essaie de les placer. Écoutez, je crois que malheureusement, le choix est fait. Julia, tu vas nous quitter. Merci à toi pour ta participation. Il te reste quand même le passage au confessionnal. Alors, je sais que j'étais un peu attendue au tournant. Du coup, j'étais un peu stressée, mais j'ai passé un bon moment et j'aurais préféré valider les 1000 points avec la question d'hydrogène qu'avec Michael Jordan. Malheureusement, je suis désolée, j'ai stressé. Le Inter était étoile, hein. Étonnamment, vous avez éliminé Julia, mais il y avait pire à ce qui paraît autour de cette table. Par contre, les deux hommes forts, je sais pas qui on donne la main. Xari, Gigi. Bon, laisse là, mon ami. Vous avez été pareil. Ouais, si tu veux. Allez, il est très très fort aujourd'hui. Ouais, Jiraya, ouais, vas-y. On prend la main. Vous avez, je crois, 1,50. C'est ça. Pour être exact. On y va dans 3, 2, 1. Jiraya, quel était le nom du navire sur lequel Christophe Colomb a navigué lorsqu'il a découvert l'Amérique? Oh, passe. Aïe, Santa Maria. Étoile, qu'est-ce qui peut voyager dans le monde entier en restant dans un coin? La lumière. Ah, c'était un timbre. Ouais, c'était traître. Yass, je suis pas grand, mais je suis vaillant. Qui suis-je? Oh putain, je l'ai pas. Tu l'as? Oh non. Jiriku. Oui, bonne réponse. Allez, on y va. Xari, comment se nomme le petit robot héros du film d'animation de studio Disney Pixar sorti en 2008? Celui qui a tout nettoyé. Ah, Wally? Oui, Wally, bonne réponse. Aréliane, au cours de quel mois l'été se termine-t-il en France? Le mois où l'été s'arrête et on change de saison. Le mois... septembre. Bonne réponse. Jiraya, dans la version des trois petits cochons de Walt Disney, de quel matériau est faite la maison du premier petit cochon? En paille. Bon, bien sûr, en paille. On voit que le monsieur est papa. Étoile, combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet latin qu'on utilise aujourd'hui en France? 26. Bonne réponse. Yass, dans quel pays est né le footballeur Diego Maradona? Argentine. Bonne réponse. Xari, le 14 février dernier, Louis Vuitton a officiellement nommé un artiste très célèbre comme nouveau directeur créatif des collections hommes succédant à Virgil Abloh. Qui est-il? C'est trop facile. C'est un chanteur. Ah, c'est une dinguerie, si tu as pas. Non. C'est une dinguerie, si tu as pas. Pas là-dessus. Il l'a pas. Non, le pass. Non, Pharrell Williams. Aréliane, on reste concentré. De quelle personnalité de YouTube a sorti une vidéo le plus grand loup-garou de France? Personnalité YouTube qui a sorti le plus grand loup-garou de France? Squeezie. Française. Non, c'était Inox Tag. Jiraya, Jupiter est la plus grande planète du système solaire, vrai ou faux? Faux. Non, c'est vrai. Étoile, quelle est la langue la plus parlée dans le monde? C'est le chinois. Donc? Le mandarin. Bonne réponse. Yass, nous cherchons le nom du créateur de personnages de bande dessinée de Tintin. Merci, le nom du créateur? Je sais pas. RG. On y va avec Xari qui a découvert la loi de la gravité. Newton, bonne réponse. Aréliane. Elle a sécu à la fin. Ouah, les gars, c'est honteux là. Non, c'est honteux. C'est honteux. Il y avait une sécu là. Ils ont pas sécu, du coup, on a continué. C'était qui du coup? Il y avait combien de points à ton niveau? Je sais plus, mais ils vont revoir sur. En gros, j'ai sécu ici. On reste plus en régie. En vrai, c'est jusqu'à Xari que ça arrête. En vrai, ça a fini à 6000, je crois, juste avant 10000. Je vais vous redonner un joker. À la fin de ce moment. C'est horrible, je sais pas qui voter. Ça va être le CQ x2 ou le CQ x3. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je vous laisse le choix. Vous savez quoi? Est-ce qu'on le pète maintenant, le CQ x2? Ah, ok, d'accord. Et le CQ x3, vous le gardez quand vous serez un peu moins nombreux. Ouais. Ou est-ce qu'au contraire, vous avez confiance dans le groupe, on prend le CQ x3 maintenant, sachant qu'il y en a un qui va nous quitter. Et du coup, on garde le CQ x2 pour un autre moment, mais vous pourrez moins scorer. Prenez le temps d'y réfléchir, de toute façon, ça sera que les. Que les survivants, parce que... qui pourront le décider. On se met à voter, je pense que tout le monde a écrit. Ouais. Oui. Bah écoute, on va aller sur Aréliane. Aréliane. Qu'est-ce que tu as fait comme choix? Je suis désolée, j'ai voté Yass. Ah, c'est dur ce moment. Alors, je sais que t'as été très forte, mais voilà, on arrive à la fin. Donc voilà, c'est un peu stratégique, mais c'est surtout par rapport au chat. Parce que du coup, ils ont l'air d'être beaucoup, beaucoup, beaucoup avec toi. Et je sais que je vais me faire détester. Mais ils sont pas avec moi, le mais chat. Mais du coup, j'ai peur qu'ils te donnent tous les bonus et que tu nous les perdes. Mais non, c'est malin. Jiraya.
pour voter étoile. Ok. C'est gratuit. Bordel. C'est gratuit. Gratuitement, comme ça. Bah, moi, j'ai voté Xari pour le Pharrell, j'avoue. Ah, il est dur. C'était une belle série en plus, non? Ouais, c'est 6000. C'était une série, mais. Oui, voilà. Il a voté pour moi juste avant, du coup, j'étais un peu en mode. Aucun problème, on sait toujours que c'est un moment délicat les votes. Je prends le double vote. C'est vrai que mon cher Yas. C'est sa marionnette. Xari, mon gars, je suis désolé, mais Pharrell Williams. Le copieur. Non, j'ai même pas copié. Là, j'ai écrit direct Xari. Quand il a dit Pharrell, je savais que c'était lui. Bah, moi, j'ai voté Yas parce que Hergé, bon, moi, étant fan de bande dessinée. Oui, voilà. Le Kirikou qui a failli être raté, mais il l'a eu. En vrai, oui, j'ai hint, on va pas se mentir, mais bon, il faut bien choisir un mec, et c'est vrai qu'il est fort, ouais. Que si on peut le dégager, ça me va. Si on fait le compte au niveau des votes, je crois que c'est 2-2. Bon, voilà, on va devoir se foutre sur la gueule. Donc je vais attendre d'avoir l'info de l'homme fort. On me dit que finalement, il y a égalité en top score entre Étoile et Yas. Ah bon, Yas. En fait, c'est juste parce que t'avais sécu, donc il t'avait top boost. Ouais, exactement. Mais en termes de bonnes réponses d'intensité, c'est Étoile qui aura la main. Ah, c'est moi? Oui. Oh non, en vrai, je fais. Ah, c'est. T'as le droit de changer. Ton vote, quoi. T'as le droit de changer. Non, mais est-ce que. Je t'aime bien. Y'a aucun problème. Est-ce que je peux faire le beau jeu et te faire un pierre-feuille-ciseau? Tu peux, mec. C'est vraiment, si vous voulez que ça soit plus legit et qu'on se fasse un pierre-feuille-ciseau ou un pile ou face. Moi, j'ai une métaphore. Est-ce qu'on peut faire BO3? Y'a, ça te va? BO1. BO1, tu peux t'accepter le BO1. De toute façon, j'aurais. C'est ça, il sort. Lui, il peut qu'accepter. J'accepte tout. On y va. En une seule manche. Pour l'élimination, les deux espéraient aller très loin ce soir, mais l'un d'entre eux va nous quitter dès maintenant. C'est stressant là avec la musique et tout. Xari, Yas, Pierre, Feuille, Ciseaux. Victoire de Yas. La méta, mon gars, bizarre. Victoire de Yas. On était à deux doigts du train de hype là. Abattu après, retour de karma, j'ai éliminé un ami. Ah, Domingo méritait pas de sortir, je sors sur ça. Bon, Shifumi, je fais tout le temps Pierre. Forcément, je me fais bolos. Écoutez, j'ai l'impression que Étoile et son double vote, là, avec Yas, qui est son copycat, ça va aller loin. J'espère que Jiraya va réussir à se faufiler, mais j'ai très peu d'espoir pour lui. On est de retour, mesdames et messieurs, et je vais vous annoncer tout simplement que le CQ triple, je suis pas sûr que ça ait été un bon jeu. J'aurais dû peut-être plus leur expliquer. Ils l'ont donné à Étoile. Et du coup, Étoile ne pourra pas devoir être celui qui casse la série. Attends, mais à quel moment on l'a donné à Étoile? C'est, ouais, c'est le chat. C'est le chat. Ah, okay, et je pense que le chat n'a pas compris ça. C'est qu'en fait, du coup, tu es celui qui doit dire sécu, mais du coup, tu casses la série. Alors que toi, t'aurais pu être un élément intéressant. Après, c'est pas grave. Après, là, je crois qu'on est juste les boss. Bah, okay. Ça bosse, hein. Mais on est une équipe, hein. Mais en fait, je trouve qu'on a une équipe qui est très équilibrée en termes de thème. Et on commence par l'homme fort de la manche précédente, qui est Étoile. C'était Xari, hein, l'homme faible. C'était bien Xari, donc je vois que vous suivez vraiment ce qui se passe. C'était lui qui avait eu, je crois, que des mauvaises réponses. Bon, 1 minute 40 secondes. On y va dans 3, 2, 1. C'est parti. Étoile, au judo, quelle ceinture est attribuée après avoir obtenu la couleur orange? Est-ce que c'est la verte ou la bleue? C'est la bleue. Non, c'est la verte. Et oui, c'est bleu et après la verte. Le Turaco est-il un poisson ou un oiseau? Le Turaco. Oui, bonne réponse. Ariane, quel est le nom du premier président des États-Unis d'Amérique? Le premier. Oh merde. Kennedy? Ah non, c'était George Washington. Jiraya, dans les forces spéciales françaises, quel grade militaire précède celui de capitaine? Colonel? Ah non, c'est lieutenant. Étoile, quel est le volume en litres d'une bouteille de type Magnum? Ouais, ramène un Magnum. 6 litres? Non, c'est 1 litre 5. Ah ouais, c'est juste que c'est une belle bouteille. Yas, Facebook est l'ancien nom de Meta. Vrai ou faux? Faux. Ah, oh, pardon. Mauvaise réponse. Oh, non, Aurélia, complétez l'expression suivante sans se tromper. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches? Ou archi-sèches? Bonne réponse, je te le confirme. On y va avec Jiraya. Sous quel nom connaît-on le rappeur Didier Morville? Tu l'as. Tu l'as tous les jours. Le mec de NTM là. Oui. Comment il s'appelle? Joey Sars. Bonne réponse. Allez, Étoile. Il a sécu. Il a sécu. Combien de pays participeront au JO de 2024 à Paris? 200 ou 206? 206. Oui, bonne réponse. Ouais. Yas, quelle personnalité de YouTube a sorti un livre sur les 7 merveilles du monde? Wartech. Oui, bonne réponse. Allez, Aurélien, on enchaîne. Vrai ou faux? Le koala est le seul animal à avoir des empreintes digitales comme l'homme? Faux. Non. C'était vrai. Jiraya, qui a peint l'œuvre Le Cri? Van Gogh. Non, c'est Edward Munch, mais c'est tellement dur ça. Ouais. Étoile, qui a composé la musique du fabuleux dessin d'Amélie Poulain? Yann Tiersen. Bonne réponse, j'adore qu'il fait ça. Yas, quel est le sport de Tiger Woods?
Le golf. Oui. C'est qui? Oui. Il est bon, il est validé, il est validé, il est validé. Edvard Munch. Pourquoi c'est pas moi la peinture? Putain, le truc de méta, comment j'ai troll. C'était trop dur. Edvard Munch. Ah bah non, j'allais pas. Ok, ok. Ah, 7300 en tout, mais sur la manche combien et combien ont été aussi mis via le bonus? Bah 900 pour étoile avec le bonus puisqu'il a mis 300 et après on a sécu 100 à la fin donc on doit être à 1000 et on a une autre sécu je crois, je sais pas. Vous êtes à 1200 effectivement. Ouais. Ouais. Effectivement, donc bravo, c'était plutôt une bonne manche. On y va pour les votes et on va commencer par Yas. Alors moi, j'ai voté Jiraya. Mm-hmm. Bon frérot, ne voit rien de personnel, c'est fallait voter quelqu'un. Il faut voter hein. Et je voulais pas voter Ariane parce que vraiment depuis le début elle carie de ouf. Et toi, bah, tu caries moi. Pas. Voilà. Donc, je t'ai voté, toi, je suis désolé. Mec, y a pas de soucis. C'est noté, Aréliane. Je suis désolée. J'ai aussi voté contre toi. Tout le monde s'excuse à moi. Voilà, malheureusement. Mais c'est horrible. Non, mais cette phase est horrible. Moi, à chaque fois que je dois voter quelqu'un, j'ai mal au ventre. Je suis pas bien. Désolée. Ça fait deux voix pour Jiraya. Ouais. Allez, Jiraya, c'est maintenant qu'il faut essayer de contrer. Je pense qu'on est les deux moins bons de cette session. Donc, je vais pas voter honnête contre moi. Donc, Aréliane. Voilà, on a été les deux plus mauvais. Logique. Aïe, aïe, aïe. Étoile, oh est-ce que tu les mets à égalité? Est-ce que, au contraire. Ah, en fait, c'est l'égalité terrible parce que je vais expliquer c'est pourquoi. En gros, j'ai trouvé la question sur Edvard Munch de Jiraya vraiment dure et il a sécurisé le Didier Morville qui nous a permis d'avoir un triple C'est vrai. Et du coup, je me suis dit, c'était quand même un peu clutch de sa part. Ouais, donc, j'hésitais. Quoi, tu vois. En fait, juste que j'avais la place de. Il fallait sécuriser un truc. En fait, c'est ça. Du coup, j'étais en mode, vu que la question était vraiment hardcore sur le tableau, j'étais un peu en mode, je sais pas, et c'est trop dur comme choix, j'ai envie de mourir. Et dans tous les cas, le choix, il est pas encore fait parce que vous êtes tous les deux. C'est à deux comment, voix. Du coup Aréliane, deux voix. Jiraya, deux voix. Effectivement, en cas d'égalité, c'est le top scoreur de la manche précédente qui va devoir vous départager. Ah ouais. Et ça change pas. C'est vraiment sa c'est soirée, mesdames et messieurs. Yas oh est top scoreur de la manche précédente moi, avec. Let's go. Tu veux quoi? Shifumi pour moi. Avec trois points de réponse. Ah, tu veux quoi? Oh, bah, vous deux, c'est joueur, Shifumi. Ouais, ouais chez vous deux, Shifumi. Bah, écoute, allons-y, hein. Shifumi. Aréliane va faire un arrêt cardiaque. Attends, je réfléchis parce que là, je me dis, vu que t'as pas de stratégie, hein, tu peux y aller. Genre que de counter ta stratégie. Exactement. Tu fais une stratégie d'avant. Vous êtes maintenant seul à l'écran. Mettez bien le geste au-dessus de la pancarte. Là-bas? Ouais, regardez où vous voulez, c'est pas grave, mais juste mettez bien le geste au-dessus de la pancarte. En une manche, c'est le boss, Yas, qui a décidé pour l'élimination directe. On y va. Pierre, feuille, ciseaux. Victoire de Jiraya. Aréliane a déjà passé bien trop joué de temps bien sur joué ce plateau. Très bien joué. Bah, bon j'ai... Merci. Voilà. Elle est gagnée, les gars. Elle part comme elle est venue, bravo, bredouille. Mais en vrai, c'est un exercice qui est hyper difficile de poser des questions parce que tu dois tout le temps être dans le tempo pour que la personne suive bien. Et tu le fais très très bien, j'ai envie de le dire. Bah, ça me régale. Au plaisir de venir partager une nuit de la culture avec toi. Oh, la petite nuit de la culte. Mais moi, je viens à domicile. Mais toi, que je sais. Ok, moi, je viens à la maison. Je veux voir la chambre là, la chaise. Je veux la totale là. Je repartirai avec des photos et tout, c'est incroyable. Un peu déçu d'être parti top 4, après quand même contente d'être arrivé jusque là. Mais j'ai voulu Counter-Strike. Counter-Strat, en fait Yas il a dit qu'il fallait jamais faire point parce que le mec il panique, enfin bref j'ai voulu counter, je me suis dit que Jiraya, bref je m'en mêle. Et au final ben ça a pas marché, un peu déçu de perdre sur un Shifumi. Mais en vrai c'était cool, Yas des fois il nous hintait et des fois il nous a aidé. Donc je sais pas trop s'il faut lui en vouloir ou le remercier, je sais pas trop. Mais en tout cas en vrai j'espère qu'il va gagner, moi je suis team Yas donc let's go. Et puis après voilà une bonne équipe et puis voilà c'était cool. Allez on est de retour, merci Aréliane. N'hésitez pas à nous faire des retours sur l'émission, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Dans tous les cas, Jiraya, tu auras la lourde responsabilité d'avoir le bonus. Oh là 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 là. Ils sont tous mis d'accord. Hein. C'est 100% des gens. En vrai, worse, je pense. Alors attention, ça va se corser un peu en termes de difficulté, mais bon, on a gardé les meilleurs. Allez. 1 minute 30. On va voir la prod exposée. C'est la dernière manche. Et oui, parce qu'après, c'est direct la grande finale. On reste concentré et on va commencer. On sait pas, on passe. Go passe instant. Bam, bam. Ok, vas-y. Moi, l'homme fort, c'est Yas. 3, 2, 1. Yas, comment appelle-t-on le petit de la brebis? Je sais pas. Le fan. Hein? Je passe? Passe. Non, mais tu. Il sait pas. Il a dit, c'est pas. Je sais pas. Bah, donc tu passes? Ouais, j'ai dit, je passe. Ok, passe. Que signifie en français le mot Guten Tag en allemand? Bonjour. C'est bonjour, effectivement. Bonne réponse, Jiraya. Étoile, dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? La jambe. C'est le genou, je te parlais d'articulation du corps. Mauvaise réponse, ça c'est pas validé. Mon cher Yas, est-ce que t'as les crampetés? Oui. Bonne réponse. Non, voilà, je suis content d'avoir eu ça, mais... Quel accessoire de toilette peut être à ongles, à cheveux ou à dents? Une brosse? Oui, effectivement. Étoile, selon l'expression, quel animal pose-t-on à quelqu'un qu'on plante? Un lapin. Un rendez-vous, oui. Yas, quelle personnalité de YouTube a récemment prêté sa voix dans Transformers?
Mister V. Non mais t'as vu la classe ? Moi, je suis Mirage. Oui, bonne réponse. CQ ! Jiraya, dans quel seul et même jeu vidéo peut-on retrouver Mario, Kirby, Link ou bien Captain Falcon ? Super Smash Bros. Oui, monsieur, bonne réponse. Étoile qui est en train de danser, le mont Olympus situé sur Mars est la plus haute montagne du système solaire. Faux. Il mesure environ 21 km de... C'est faux. C'était vrai. Dans des 7 merveilles du monde antique, quelle est la plus ancienne et encore debout partiellement aujourd'hui ? Antique ? Ouais, les 7 merveilles du monde antique. C'est pas le Machu Picchu ? Non. Mauvaise réponse. De nombreux pays à l'heure actuelle produisent du cacao, mais quel est le pays qui en produit le plus dans le monde, Jiraya ? Pour la Colombie. Dommage, Côte d'Ivoire avec 40%. Étoile, dans l'histoire de l'art, quel mouvement artistique du début du 20e siècle est caractérisé par des formes géométriques abstraites et l'utilisation de couleurs vives ? Le cubisme, bonne réponse ! CQ, voilà. Il dit CQ, je le dis pour toi. Mais moi, la brebis, je suis con, quoi. C'était long, c'est ça. Si je m'étais trompé sur le cubisme, je pense que je me mettais une patate. Mais avec la rapidité, le fait que personne répond bon. Non, mais ça aurait pu se comprendre. Vous avez pris 2100 avec le bonus. Ça, c'est beau. C'est très beau. C'est pas mal. Très bellement. Regardez la cagnotte, elle est à 9400 points. Vous avez déjà battu l'édition 1. Ça, c'est beau. Ça, c'est magnifique. Et je suis à deux doigts de vous faire une manche bonus pour les deux survivants. Sachez que les deux qui resteront auront une manche bonus pour aller scorer encore un point. Voilà, ça, c'est pour moi, c'est cadeau. Maintenant, oh, je m'en veux trop, faut réfléchir. Trois votes. Et on va commencer par découvrir tout ça. Vous avez le temps d'écrire, c'est bon ? Ouais. On va commencer par... Yas. Alors moi, j'ai voté Jiraya. Question de logique, parce que je pouvais pas me voter moi. Oui. Étoile, je considère que c'est le plus fort. Et donc tu veux être contre lui en finale ? Bah, faut faire des points. Ouais, ah merde, mais attends, mais je suis con, moi. Il faut gagner la finale derrière. Oh non, merde. Faire des points pour le voir gagner, ouais, c'est cool, mais non, mais ça sera, mec. Il a eu 0 sur 20, mais le gars, il a eu 0 sur 20. Non, mais moi, je pensais trop dans un esprit d'équipe. Bon, bah, Jiraya, je suis désolé si vous pouvez changer mon vote. Pas de soucis, je le ferai. Juste mis 2000 points à mettre. C'est pas encore fait, Jiraya. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, moi, je vote Yas par logique ici. T'as été le moins bon sur la comment s'appelle sur la série. Et malheureusement pour toi, t'avais la place du con, c'est-à-dire que bah, c'est moi qui ai le bonus, comme tout à l'heure, c'était. Et du coup, tu joues si t'as faux, je peux pas scorer. La finale. J'ai réellement fait pile ou face parce que j'avais deux trucs, c'est-à-dire que Jiraya avait la place du con, il l'avait juste avant et du coup c'était trop dur. Yas a sécurisé des trucs et il a fait un match exceptionnel, du coup je savais pas quoi faire, j'ai fait pile ou face et c'est tombé sur Jiraya. Mais non, en plus il est éliminé parce que je suis con. Juste parce que je suis con. Et étoile en grande finale. Moi j'étais sûr d'être éliminé. C'est le jeu les amis. C'est le jeu. Moi j'étais sûr d'être éliminé. Waouh. Parce qu'en fait j'ai vu Yas me regarder et j'étais en mode c'est normal parce que complot quoi, ouais, on élimine le plus fort. Bah écoutez les amis, l'aventure s'arrête ici. C'était très bien, je me suis régalé. Merci évidemment à Dogby pour cette invitation. Un peu d'aig sur cette dernière manche. J'ai été le scoreur fou. J'ai eu le double, vous m'avez fait confiance, voilà, Yas a été la fraude. Mais après, je pars, je trouve que c'est juste. J'ai pas été très très bon sur l'ensemble de l'émission et je trouve ça logique que les deux se retrouvent en finale. Donc on espère qu'ils vont engranger un maximum de points pour régaler évidemment la famille. Merci à tous. Bon, je vous offre une manche supplémentaire, messieurs. Mais du coup, là, on joue avec plaisir. Bah après, c'est toujours pour ajouter avec du score, des cadeaux. Mais dans le sens où... Mais il n'y a pas d'élimination, effectivement. Viens, on tryhard. On va aux 10 000, vas-y. Ouais, viens, on va aux 10 000. Restez concentrés, je vous laisse une minute 30. Bonus. Là, c'est que du kiff, tu l'as dit. On va commencer par l'homme fort de la manche précédente. Ça tombe bien, il est plus là. Il avait scoré avec le x2, c'était Jiraya, bien évidemment. Du coup, qui veut prendre la main ? Je peux prendre la main ? Vas-y, à lui l'honneur. Vas-y. Allez, c'est parti. Étoile, seul contre tous, une question. Ah, je sais pas si c'est un thème qui va te parler. On va parler musée. Oh non. Tombé sur toi. Non, on y va. Ça, c'est l'exemple le plus stressant hein, quand c'est ton thème. On y va dans 3, 2, 1. Le musée d'Orsay. On est parti. Quel est le musée considéré comme le plus grand musée du monde ? Le MoMA. Non, le musée du Louvre à Paris. Ah, c'est le Louvre. Bah oui. Ah, ouais. Yas, de combien est le nouveau taux d'intérêt légal applicable au second semestre 2023 ? Oula, faut être banquier là. Ouais, 3,1 ? Non, c'est 6,82 particuliers, 4,22 pour les professionnels. Quelle est l'actuelle équipe Valorant du joueur Scream ? La Carmine Corp. Carmine Corp, bonne réponse étoile. On retourne sur toi, mon cher Yas. Vrai ou faux, le koala est le seul animal à avoir des empreintes digitales comme l'homme ? Je l'ai déjà posé, faux. Mais si tu retiens, c'était vrai. Je l'avais déjà posé en plus. Quel web TV présente depuis environ 6 ans et récemment arrêté d'émettre ? C'était le stream, bonne réponse. Pour quel club Messi a-t-il récemment quitté le PSG ? L'Inter Miami. Et oui, bonne réponse. Lors de la galette des rois, qui attribue la part du gâteau, mon cher étoile ? Le plus jeune. Oui, c'est le plus jeune qui va sur la table, effectivement. On y retourne sur toi, mon cher Yas. Comment peut-on désigner une personne vexée, contrariée, faisant référence à un habit non repassé ? Quelqu'un qui a été...
Froissé. Oui, bonne réponse. Elle était pas facile celle-là. On y retourne du côté de Étoile. Quelle œuvre de Victor Hugo raconte l'histoire de Jean Valjean et se déroule pendant les événements de la Révolution française? Les Misérables. Bonne réponse. On y va du côté d'Elias. Quel scientifique serbe est connu pour ses contributions majeures dans le domaine de l'électricité, notamment pour l'invention de l'alternateur et du système de distribution d'électrique au courant alternatif? Il y a une marque de voiture qui porte son blaze. Yes, yes. Voiture électrique. Voiture électrique. Je l'ai pas. Voiture électrique. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Voiture électrique. Tu l'as fait. Il l'a dit. Tesla. Bonne réponse. J'ai dit Tesla. Et toi? C'est que. Qui est l'auteur du célèbre roman 1984 qui dépeint une dystopie? George Orwell. Bonne réponse. C'est bien, c'est bien. Mais je l'ai dit Tesla en plus. J'ai dit le moment au lieu du Louvre. Oui, bon, c'est rien, c'est rien, c'est stress. 7 bonnes réponses consécutives. Félicitations. Comme quoi, vous avez bien votre place en grande finale. Ouh. Ça y est, le plus dur est passé. On va regarder le total des points. Vous avez marqué 12 500 points. Et ça, c'est beau. Mais... c'est quoi déjà le format de la finale? C'est mort subite. C'est tir au but. Voilà, c'est ça. Okay. Tir au but et ensuite mort subite. 5 okay. questions chacun. Et on fera quoi qu'il arrive les 5. Le top score de la manche précédente, je crois que c'était effectivement Étoile. Étoile, est-ce que tu prends la main ou est-ce que tu laisses la main? Faut laisser. Il laisse la main à Yas. Alors, ah, super sympa, mon pote Étoile. T'es vraiment le frère. En cas d'égalité, j'ai des questions bonus, bien évidemment, parce que c'est possible qu'à la fin de ces 10 questions, on n'ait pas le grand gagnant qui repartira, je vous l'ai dit, avec le trophée, mais surtout la chance de transformer aussi tous les points en cadeau pour vous, le chat. Et il repartira surtout avec ce magnifique trophée créé pour l'occasion. On peut le sortir, ça y est, on peut le sortir. J'aimerais bien l'avoir. Magnifique, j'aimerais bien l'avoir chez moi, celui-là. Donc, puis, j'aimerais bien aussi avoir le trophée de Multiversus, je ne l'ai jamais. C'est vrai. Étoile remporte le Streamer Battle Multiversus. Et il l'a pas volé. Ah, il est là au studio? Oh, je pourrais. Il est là au studio. Oh, mon rêve d'avoir le double. Vas-y, ramenez-le moi, on va lui mettre le double trophée. Tous les deux. Oh, je sais pas qu'il était là. Ah non, mais c'est réel. Parce que les gens vont dire, oui, tu mens. Mais non, il y a marqué dessus. Streamer Battle Multiversus. Tu ne peux pas l'avoir inventé. Ouais. Il était là, il t'attendait. Ah, toi, il t'a en place. Il t'attendait, mon gros. Restons contentés, c'est pas fait. Attention à pas se voir gagner trop vite. Oh non, mais genre vraiment pas. Non, mais en vrai, j'ai chaud de ouf. Yes. Alors là, t'as moins de précipitation. Hein. Tu peux plus réfléchir. Par on contre, a, on a trop humilité pour eux. T'as, allez. 30 secondes, 30 bonnes secondes, vraiment. Par contre, c'est ta première réponse qui sera comptabilisée. Ok. Donc ne dis rien plutôt que de dire une bêtise. Ok. Yas, on commence tranquillement. La taille maximale jamais atteinte par un homme à ce jour est de 2,72, 2,76 ou 3,02. La taille maximale atteinte par un homme à ce jour. 2,60, rends-toi compte, hein. Tu fais 1m combien? 1m76. Étoile, t'es pas très loin. 1m90. Ouais, t'es un peu... Hein? 1m90, il a dit. Non, je crois que tu fais 1,80. Non, je fais 1,76. Mais non, bah non, il y en a un de vous deux qui ment alors. Je fais 1,76. Ah, les gars, il y a un menteur. Mettez-vous dos à dos. Non, il y a un menteur. Yas, tu nous mens. Mais non, je fais 1m76. C'est lui, il fait 1m78. Je fais 2-3 cm, tranquille. C'est pas grave. Je fais 1m76. D'accord, Yas. Oui, Yas. On n'est pas là pour ça. Restons concentrés. 2,72, 2,76 ou 3,02. La taille. Je dirais 2,76. 3, c'est énorme de faire 3 mètres. Je prendrais ta première réponse, c'était 2,76, j'ai entendu. Ouais. Tu veux dire quelque chose? En fait, avant que tu donnes les propositions, oui. Que sur la vie de ma mère, que j'ai pensé à 2,72. Mais est-ce que c'est faux? Je pensais que c'était 2,72. Ah, comme ça, instinctivement. Ouais. Mais est-ce que c'était 2,76? C'est 2,72. Bah après, les choses évoluent, peut-être que ça évolue aussi depuis. La taille maximale jamais atteinte par un homme à ce jour est effectivement de 2,76. Oh oui, Yas. Incroyable. C'était ça, une question à 3 propositions, donc Étoile, tu auras aussi une question à 3 propositions et ça tombe bien, c'est maintenant. Combien faut-il en moyenne de grains de raisin pour faire une bouteille de vin de 75 centilitres? Ah mais t'as voulu l'assassiner. Combien de grains de raisin en moyenne? Est-ce qu'il en faut 200, 400 ou 600? J'ai envie de dire 600, mais c'est trop. Le max. J'ai envie de dire 600, ouais. 2, 4, 6... Parce qu'en fait, je vais me dire que tu vas pas faire deux fois la méta de faire la question du milieu, mais... essaie de pré-shot l'édito. Mais j'ai envie de me dire 600, ouais. Mais c'est trop dur. C'est une bonne réponse, c'est 600, incroyable. Bravo. Vous avez tous les deux évité le piège. T'es fort, mon gars. Sur ces triples propales, parce qu'on peut pas le savoir. On retourne du côté d'Yas. Yas, vrai ou faux? Oh, c'est trop stressant. L'Australopithèque Lucy tire son nom d'une chanson des Beatles. Vrai ou faux? C'est faux. C'est faux. C'est vrai. C'est faux. Faux. Qu'est-ce qui se passe, Étoile? Ah non, je te vois lever les non, mains. Non, je pensais que tu voulais que je réponde. Bah dis-nous, parce que dans tous les cas, sa réponse a été donnée. Qu'est-ce que tu voulais nous ajouter? Lucy in the sky with diamonds. Yeah. Donc c'était vrai. Donc c'était vrai.
Mais c'est trop dur. C'est un son des Beatles. Lucy in the Sky. Et là, en plus, il y a ma copine. Elle est fan des Beatles. Ah bah là, elle a dû péter son câble parce que effectivement, c'était vrai. Mais une question bien dure pour Étoile, s'il te plaît. Alors, je vais d'abord apporter une précision sur la première question. Donc, effectivement, quand la personne est morte, ils ont refait sa taille. Ils faisaient 212. Mais de son vivant, ils ont notifié qu'il faisait 276. C'est pour ça que j'avais 272. Donc il y a le doute de mort 212, vivant il a eu le record à 276, on l'accorde quand même. Dans tous les cas, au niveau des scores, là ça fait un partout, mais il y a une question d'avance pour Yass. Yass, vrai ou faux? Non, c'est moi. Étoile. Pardon, étoile. Moi. Vrai ou en plus, je vais avoir de l'étoile. Vrai ou faux? Jusqu'en 1991, une loi américaine interdisait très strictement d'avoir tout contact, direct ou bien indirect, avec des extraterrestres. Vrai ou faux? C'est une loi de quel état? Parce que du coup, les lois, ça dépend des états dans lesquels tu es. J'ai pas la précision. Oh, les précisions. Une loi américaine interdisait très strictement. Mais je crois que c'est. 91. Il me semble que c'est vrai. Il me semble que c'est vrai. Donc pour eux, carrément, les extraterrestres, c'est. Ouais, parce qu'en fait, en gros, je me dis, en fait, dans les états américains, il y a des lois différentes pour chaque état. C'est et il y a tellement de lois à la con qu'il y a forcément un état où il y a dû avoir cette loi. T'as une idée de. T'as une loi comme ça à la con là qui vient en tête, mais j'ai vu qu'il y a des trucs sur les poussettes. En fait, il y avait déjà eu une loi terrible où c'était en mode t'avais le droit de frapper quelqu'un avec un truc qui était inférieur à un ongle. Ok. Comme quoi. Et donc ta réponse est vraie, c'est ça? Ouais. Eh ben écoute, tu prends la main, parce que c'est une bonne réponse, mon cher Étoile. Oui, trop ça a existé. Jusqu'en 91. Incroyable. Bon. Incroyable. On retourne sur toi, mon cher Yass. Ok. On va aller du côté collection. Elle est pas facile du tout. Oh bah alors là, vas-y. Et là, même si Étoile me la sort derrière, je suis... Super, ah bah là, les gars, bonne chance. Tu veux que je parte direct? Celui qui collectionne les pièces? Yass, que collectionne un fabophile? Un fabophile, F-A-B-O, et fil. Des... Que collectionne un fabophile si tu me le sors? Alors là, t'es en légende. On est en finale, hein. On est en finale. Un fabophile. Ouais. On me dit que Xari l'a. Je rigole. Je sais pas. Collectionne des clignotants. Je sais pas. Je me dis un truc vraiment aucun rapport. Des clignotants. J'adore. Je sais pas, un truc vraiment. Est-ce que ça existe? Moi, parce que sinon j'allais dire des fables, mais non. Des fables? Non, mais j'en sais rien. T'as un truc qui est des bandes dessinées, moi. Bandes dessinées. Alors c'est tout simplement. Alors c'est une mauvaise réponse, bien sûr. Mais c'est des fèves. Wow, ouais. Mais tellement dur. C'est vrai que c'est loin en plus, hein, en termes de terminologie, fabophile, ouais, fèves. Je trouve ça dur. Non, moi j'ai essayé de sortir un truc vraiment qui avait aucun rapport. Je sais pas, il doit bien avoir des maths qui collectionnent des clignotants. Oh oui, ça c'est sûr. Voilà, il y a c'est forcément sûr. Un mec qui collectionne des clignotants. Peut-être ça, c'est peut-être mon jour, bah toujours pas. Tellement t'inquiète dur. Pas, écoute ce que je vais mettre dans la tête d'Étoile. Étoile, qu'est-ce que la carpophobie? Qu'est-ce que la carpophobie? La peur du silence. Oh là, il a sorti trop rapidement pour que ça soit faux. Carpophobie, comment t'en es arrivé à cette... Alors, est-ce que tu le savais? Est-ce que t'as une déduction? En fait, je me suis dit muet comme une carpe. Oh! Et vu que j'ai pas trop la rêve de carpophobie, je sais pas. Parce que je sais pas du tout ce que c'est. Parce que je me dis, ça va pas être la peur des poissons. Non, ce n'est pas ça, effectivement, mon cher Étoile. C'est tout simplement d'avoir la phobie des fruits. Ah, oh, ok. C'est très spécial. Alors... Non, mais honnêtement, mais c'était bien très, très franchement. Dur. Honnêtement, c'était bien très dur. On va redescendre un petit peu, si vous voulez, en termes de difficulté. Yass, je rappelle que tu es actuellement... Deux mauvaises réponses pour une bonne réponse. Alors que ton adversaire, à l'inverse, deux bonnes réponses pour une mauvaise. Aïe, aïe, aïe. Yass, atteignant une altitude de 5895 mètres et étant le plus haut sommet d'Afrique, dans quel pays se situe le Kilimandjaro? Oh putain. Ça, c'est facile. Enfin, c'est déjà facile. Plus accessible. Dans quelle ville se situe le Kilimandjaro pays, j'ai un pays, mais c'est pas celui-là, j'en suis sûr. Et je sais que lui, il l'a. Moi, j'allais dire le Kenya, mais c'est pas le Kenya. Étoile? Moi, j'aurais dit ça. Tu aurais dit le Kenya aussi? Ouais. La bonne réponse, c'était la Tanzanie. Oh non! J'aurais dit Kenya. C'est vrai? Ah, j'aurais dit Kenya. C'est pour ça. Non, mais c'est bien, ça me permet de me rendre compte de la difficulté des questions. Oh, je fais pas l'américain en mode je l'avais. Oh putain! On enchaîne, Étoile. Si tu réponds bon, tu auras officiellement gagné. Si tu réponds faux, il y a encore mathématiquement la capacité d'aller chercher l'égalité pour Yass. Une maigre chance. Quel est le nom de l'empereur romain? On va chercher un empereur romain. L'empereur romain qui a ordonné la construction du Colisée à Rome. Oh, je sais pas c'est lequel. Qui était-il? On cherche un nom d'empereur romain.
J'ai envie de tenter Néron. Mais Néron ? En fait, il a mis feu ensuite. Donc, est-ce que vu qu'il était complètement malade et qu'il a mis feu partout, ça aurait pu être Néron ? J'ai envie de tenter Néron. Et si c'est Adrien, enfin. Adrien, c'est. Non, mais... T'as pas le nom de famille d'Adrien ? Zerator Nougaret. T'imagines. Ouais. Non, c'est pas Néron. C'est pas Néron, c'était Vespasien. Les Vespasiennes, c'était lui. Vespasienne, pardon, bah voilà. Non, mais en fait, il a inventé les. Enfin, on a pris son nom pour dire les Vespasiennes. Qui est du coup les toilettes. Ok. Des trucs Vespasiennes. Je parle peut-être au hasard, mais j'ai ça dans la tête. Yas, pour peut-être aller chercher l'égalité, on va chercher un élément chimique. Vas-y. Yas. Pourquoi c'est pas moi, en chimie, j'ai eu 3 au bac. Mais tu peux l'avoir, mec. Écoute, des fois, c'est plus simple qu'on le croit. Yas. Quel élément chimique de symbole Cl nous pique les yeux quand on va à la piscine ? Le chlore ? Pardon ? Le chlore ? Attends, j'ai dit une dinguerie là. C'est ta première réponse qui, dans tous les cas, est comptabilisée. Eh vas-y, j'ai dit une dinguerie. C'est une bonne réponse, le chlore. Il est horrible, ce mec. Mais en plus, moi, dans ma tête, je me suis dit, j'ai dû dire une dinguerie, tout le chat va me vanner. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Attends, parce qu'en plus, juste avant, il a dit, il y a 40 000 personnes qui te regardent. C'est le but. Bravo, Yas. Et je commence à devenir tout rouge de sueur. Bravo, ça passe. Putain, la question sûre. Maintenant, c'est entre les mains d'étoiles. Si tu réponds juste, c'est gagné. Je vais te choquer, j'ai raté Vespasien. Si tu réponds faux, ça sera égalité, donc mort subite. Et là, mort subite, on ne répond de rien. Est-ce que tu penses que je l'étoile ? Bah, j'ai du mal à juger. Ça part tellement dans tous les sens. Si, je pense que tu l'as. Honnêtement, je pense que tu l'as. Après, bon, on ne sait jamais. Je sais pas dans quel état d'esprit t'es, le stress. Je suis dans. En fait, j'arrive plus là. Il est sous nuit blanche là. Pour moi, tu l'as. Je suis sous nuit blanche. Là, il va juste s'écrouler. Par contre, je pense que Yas l'a pas. Attends, pour vous dire un peu le niveau de la question. Non, tu l'as, bien sûr que tu l'as. Allez, on y va. Étoile. Pour la victoire. Étoile. Pour le double. On me met pas la pression comme ça. Pour le double trophée. Je fais que taper des cubes en ce c'est moment. C'est vrai que dans les blanches, c'est vrai que tu fais que taper des cubes. Oh là. Pardon. Étoile. Tout de suite, maintenant, en tac au tac. Histoire de montrer qu'il n'y a pas d'hésitation, que la victoire, elle t'était promise, que tout ça c'était pour le spectacle, pour le suspense, pour nous faire kiffer. Quel est le nom de la femelle ? Du sanglier ? Oui, du sanglier. La lèpre ? Pardon ? Quoi, la musique commence à arrêter ? La quoi ? Attends, la femelle du sanglier ? Le nom de la femelle du sanglier. Ah non, c'est la première réponse. J'ai répondu sans, ouais. Parce que... non, tu peux redire ce que tu as dit, parce que dans tous les cas, c'est ça qui va être comptabilisé. Je redis la lait. Et t'aurais dit quoi d'autre ? Si t'avais eu le choix de changer ? Yas, tu l'avais pas, on est d'accord ? Non, je l'ai pas. Ouais, non, mais c'est bien, pas la lait ? Mais si, ça doit être ça, il troll, là. Il troll, regarde-le avec son gros sourire. Ouais, je te troll, mec. C'est la lait ? Je sais pas, frère. C'est fou de douter de ses connaissances. Mais c'est l'allée, mon gars. C'est là, il va prendre ton trophée. Voilà, t'as gagné. Non, touchez pas, il a pas gagné. Attends, mais c'est pas ça. Bah, va falloir continuer. Oui. C'était au moins jusqu'au moment où j'annonce que c'est gagné. Ouais. Étoile sur l'allée. Il a douté. Même lui, il doute, il est humain. Étoile, grand champion, moi je te tiens. Trop grand champion. Trop bien mis la forme, il y a mis le style. Trop fort, Étoile. Étoile, tu remportes officiellement le trophée de top score, mais aussi celui qu'on te devait du streamer Battle Multiversus. Ouais. Le double up a été fait. Oh, c'était pas facile, hein. Écoutez, est-ce qu'on peut réaccueillir tous les candidats et les candidates qui ont participé Étoile, à ce crack, top score gars. Ils sont encore parmi nous. C'était trop fort. Pour féliciter déjà Étoile, bien évidemment. Bah oui. T'as été chaud, frère. Parce que vraiment, non, bravo, Il a ramené ça aussi. Oui, il a ramené ça. Il a ramené ça aussi. Ouais, je lui devais quelque chose. Là, c'est personnel. Il te reste une dernière mission, Étoile. Ouais, il faut que j'aille chercher les cadeaux. Je vais te donner officiellement le nombre de points que tu as marqué jusque-là. Tu vas pouvoir choisir un coéquipier autour de toi qui va pouvoir t'accompagner parce qu'il va falloir faire les calculs. Si vous me ramenez trop de cadeaux par rapport à vos points, rien n'est gagné. Oh, merde. Donc, il faut toujours être en dessous. Ah ouais ? Ouais. Faut pas qu'il y ait un point. C'est juste vrai. Faut arriver à calculer. Vous avez 12 500 points. Donc t'arrives là-bas, t'auras 1 minute 30, tu observes. Tu fais les comptes et ensuite tu dois me ramener tous les objets ici pour qu'ils soient comptabilisés. Mais vous êtes deux, donc en vrai, vous avez large temps. Qui veux-tu amener avec toi pour vivre ce dernier moment dans ton... Bah, en vrai, c'est le finaliste, ce serait logique, tu vois. Il a été. Il est super.
En fait, c'est pas vraiment génie, ce pauvre, il est venu pour rien du tout. En vrai, Norman, viens. Non, mais c'est bien. C'est Norman qui va. Alors, mettez-vous là, attendez devant. On y va dans 3, 2, 1. Lancez le compteur à la vitrine, c'est parti. 12 500 crons, on les écoute. Il y a des PS5, il y a des Xbox, il y a des Switch, des iPads, des télés, des PC gamers, des écrans, des manettes, du stuff Elgato, du stuff JBL, l'enceinte. Je prends. De la manette, des jeux, des figurines, tout ce qu'on aime. Ça partira pour vous dans le chat. Vous le voyez pas partir, mais il y a. 300. Là, on a quasiment. Une énorme écran, une énorme tour. 2500. On est bien là. On a un écran, on a une Switch. Il y a ça à 200. 12 500 points, rien de plus, rien de moins, 30 secondes. Et puis ouais. Ouais. Oh, c'est incroyable. Oh le play. Ils ont bien fait les comptes. Oh le play. 1450. Tant que c'est pas au milieu du plateau, ce n'est pas comptabilisé. Il vous reste 10 secondes. Faut tout ramener ici. Faut tout ramener ici. 5, 4, 3. Vous ne pouvez plus en ramener, messieurs, tout ce qui est sur le plateau est comptabilisé. Ouais. Alors déjà l'écran, c'est un 250Hz, un full gamer, full, ah ouais full Asus, 3300 points, plus 5300 que la Switch. Ce qu'il faut que je vérifie là. Ok, donc la Switch, 5300. Donc ça fait 8600. C'est une OLED. Donc là, il y a 8600. 200 la manette. Là, il y a une vraie promo. Non, là, il y a une douille. Bah c'est une promo, les gars. Ma mère, il y a une douille. Les gars, c'est une promo. Tout est annulé. Mais là, c'est rien, c'est pas vendu. Ah, le cadeau! À 10 000! Non, c'est pour le chat! Triché 11 400! Et c'est gagné! Avec la triche! Avec la triche! Non, sans la triche! J'ai remis 1200! Ah ouais? 1450. Donc ils sont en dessous quoi qu'il arrive! Oui, on est en dessous! On est en dessous! Voilà. Ils avaient rien dans les poches! Non, non! Non, on a rien! J'ai l'impression de me faire voler hein, par les calculs! Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez faire des bundles ou est-ce qu'un cadeau, un gagnant? C'est un cadeau, un gagnant! Un cadeau, un gagnant? Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 8 gagnants! Il y a l'écran 240Hz, il y a la Nintendo Switch OLED, il y a une pop, il y a une enceinte JBL, il y a une manette Xbox, il y a Blick, il y a Truth Boy et il y a Jungle Speed. Et si on peut pas avoir vos ressentis, grave. Vos ressentis surtout sur l'émission, même si il y en a 5 qui nous quittaient tôt, c'est toujours terrible de partir tôt. Tu viens Norman de porter en tu commences à parler, c'est ça? Vas-y, avec plaisir. On non, fait non, franchement, je me suis régalé, c'était pas une émission, c'était presque un repas de famille parce que moi, c'est toujours un plaisir d'être avec toi, avec tous les potos. C'est la première émission que je faisais avec Yass. En plus. Et Julia, donc c'était un plaisir. Et bonjour au chat de la famille, on a passé un bon moment. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Jiraya? Toi qui aimes beaucoup les quiz télévisés, qui aime beaucoup ce genre de format. Donc je me suis régalé. Ouais. Non, je me suis régalé, j'aime bien le format du style MF. qui était très cool. On a eu l'occasion d'en faire aussi avec le frérot Wax, qui nous a fait quelques-uns aussi dans ce style-là. Et je trouve le format trop bien. Donc GG pour l'organisation, GG pour la soirée, c'était top. Et le petit bonus des cadeaux là, ça régale. Ça régale ça. Ça très bien. Vraiment. C'est les viewers qui... Merci. Peut-être un mot aussi. Un mot pour PA, non? Juste avant, après avoir quand même une petite animation pour ceux qui partent très tôt, parce que c'est vrai que. Non mais. Tu veux quoi, un stand VR? Un régal, il y avait du gros niveau, encore une fois, juste abasourdi par Étoile, quoi, qui juste montre qu'il est prêt, quoi. Donc, ouais, mais il a eu son moment de faiblesse, tu vois, comme. C'est quoi. Vrai. Il est humain. C'est vrai, il les a eu. Il les a eu, mais il a été très bon quand même. Donc félicitations et je vais. Bravo, Étoile. Bravo à tous. Bravo à toutes. J'ai envie de passer le micro à Ariane désormais qui nous a fait une super soirée. Mais grave, Ariane, Julia, on veut vous entendre aussi sur cette soirée, sur ce moment de plein de stress. C'était trop cool, déjà merci. Bravo. Merci beaucoup. Bravo Ariane. Bravo. Non, par contre, c'était vraiment cool, mais très stressant, franchement. Mais c'était plus stressant de voter contre les gens. En plus, ils te regardent, ils sont là en mode tu vas voter contre pourquoi qui moi que de répondre aux questions, mais c'était grave cool. Toi, Julia, ton retour sur. Merci aussi pour l'invitation. C'est vrai que j'ai hésité énormément à venir parce que je me suis dit les gens, ils allaient attendre vraiment l'occasion pour me sauter dessus. Ouais. Mais du coup, ce qui a fait que j'ai perdu mes moyens et je m'excuse d'avoir un peu. Non, honnêtement, tout le monde l'a compris. Mais Étoile l'a beaucoup rappelé après que le stress qu'on vit ici, l'intensité qu'on vit ici. Mais je me suis régalée, je suis contente d'être venue. Donc, Ça nous a fait très plaisir de te recevoir, Julia. Merci beaucoup. En plus, elle est venue de loin, je le répète. Puis après, voilà, Xari, on connaît hein, l'habitué. Yass, on l'a eu jusqu'en finale. Et puis Étoile, le grand gagnant, peut-être, oui, effectivement, un mot de la fin pour le grand gagnant. Non, c'était trop cool. Merci beaucoup pour l'invite. J'ai passé un trop bon moment. En plus, c'est un format que je trouve trop intéressant parce que du coup, ça joue beaucoup sur le stress. Oui. Et j'espère que tout le monde s'est amusé et que les gens sur le chat se sont régalés parce que moi, c'était trop cool. Désolé, des fois, j'étais un peu en mode de.
vacillant de fatigue. C'est du blanche, mec. J'étais sous vacille, mais j'ai trop kiffé et j'ai trop aimé. Et le mot de Xari. Honnêtement, bravo à tous et j'ai adoré le format. Tout ce qui est, je voyais partir si tôt, honnêtement. Après, en fait, j'ai pas trop compris. C'est-à-dire que de base, on avait une triple alliance. Déjà, j'ai éliminé mon ami parce que je pensais que tout le monde allait le faire et en fait, personne a voté pour lui. Donc, je me suis senti con. Et après, je crois qu'avec Xari, on s'est pas trop compris en fait. On faisait des comme ça et on a voté à chaque fois pas les mêmes mecs. Donc voilà, on avait un truc, on devait éliminer. Il y avait le buff double vote aussi. Oui, il y avait le buff double vote, c'est vrai que. Mais on avait une stratégie qui s'est mal passée. On reviendra évidemment plus fort pour gagner. C'est noté, merci Xari encore une fois pour ces belles paroles. Excusez-moi quand même, applaudissements à Dogby quand même. Merci beaucoup, merci l'équipe. Cartel, animateur, producteur. Mais merci vraiment à vous tous d'être venus et d'avoir pris le temps. Merci aussi aux viewers d'avoir pris le temps à regarder tout ça en direct sur Twitch. On se retrouve nous très très bientôt pour de nouvelles aventures. Profitez de votre été, prenez soin de vous, faites attention à vous, c'est le principal. On se fait des bisous et on se dit à très bientôt tout le monde. Bravo. Merci à mes invités du jour. Salut. Bravo. Ciao. Salut à tous. Bravo.